Allez, la suite. Donc, Enschrude. Enschrudid. Je sais pas comment on va le dire. Enschrude, je crois. Non, mais c'est même pas là que je voulais appuyer. Ok. C'est pas grave. J'ai pris de l'eau. On va aller en chercher d'ailleurs. En attendant que mon alcoolique arrive. Pardon, alcoolite arrive. J'aime bien la faire cette blague. D'ailleurs, je vais prendre un peu de l'eau que j'ai et je vais en foutre la moitié ici. Même s'il y en a déjà, mais on sait jamais. Ah, ok, d'accord. Maintenant, ok, il y a eu des mises à jour. Il y a eu des grosses mises à jour, on va dire. Une grosse. Et qui fait qu'ils ont changé pas mal de petits trucs. Bon, je vais aller chercher l'eau et puis on va voir ça. Salut, Red Knight. Pas mal. Ok, j'en ai eu 10, c'est pas mal. Tintin, j'adore la petite musique dès qu'on est dans l'embrumé. Pas tout le temps. Cette fois-ci, il a pas voulu. Faudrait voir pour faire des popos peut-être de lumière, mais 5 minutes, je trouve que c'est court. C'est mieux qu'on ait des trucs d'au moins une demi-heure ou un truc comme ça. Et je vais m'arranger pour qu'il fasse jour parce qu'on voit que dalle. Alors, petite nouveauté au niveau des on va dire j'allais dire des usines, ouais, entre guillemets. Maintenant, vous avez la possibilité, donc ici, de choisir combien on va en faire, donc directement. Donc, dès qu'on va cliquer, ça va aller chercher dans les coffres automatiquement. Ou alors, on peut l'avoir ici et on peut dire, je vais en ajouter un de chaque selon. Si je veux ajouter plus ou moins. Donc c'est plutôt sympa et ils ont tous ça. Hein. Donc c'est plutôt ok. Là dans la coffre magique, si je veux rajouter des épis de maïs, là, en plus on sait combien on en a. C'est-à-dire que là j'en ai plus que 20 en stock. Parce que si je prends, je sais pas l'exemple là, je regarde ici, voilà, là j'en ai 104 et donc je peux rajouter une pile de 50 si je veux. Pas le but, mais voilà. On pourrait faire plus de fourrure. Et si par exemple je fais un plus 10, il va prendre 10 de là. Ben, je crois qu'il faut 1 et 3. Donc 10 ici et 30 là d'un coup. C'est plutôt pas mal. Salut, Amiral. Alors ça, c'est une des premières choses hein, en me connectant que j'ai vu. Qui avait l'air de changer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va éviter de passer notre temps à aller fouiller dans tous les recoins. Et mettre dans les. Tant que c'est dans un coffre magique. Alors, bon, bien sûr, il y a tous mes champs. J'ai planté des betteraves il y a peu, donc elles ne seront pas encore dispo. Quoique, j'ai déjà celles-là qui sont prêtes. Alors, ta journée s'est bien passée. Moi, ouais, ça va. J'ai un peu mal au crâne, mais bon, je vais faire avec. Je suis pas allé miner. J'ai complètement oublié d'aller faire, mais je pense qu'on a suffisamment de. Et là, on ira faire une petite session d'un quart d'heure, 20 minutes de minage. C'est bon. On ira assez vite. Normalement, on en a déjà quelques-uns de lingots de cuivre. J'ai plutôt. On en a 16. Ça devrait aller pour le moment. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour faire mon armure. Parce qu'il me faut des ambres. Et on n'a pas trouvé encore où il y avait des ambres. Ça, c'est cool, les champis. Alors, faudrait que j'en garde 5. Et je crois que j'en ai déjà dans mon truc là-bas que j'ai regardé. Je crois que j'en ai déjà. Ouais, j'en ai déjà 20 là-dedans. Donc, je voudrais ça. Il faut quoi? Il me faut de la brume liquide et la poussière d'os. Donc la brume liquide, j'en ai, mais la poussière d'os, j'en ai pas. Donc je vais aller en fabriquer. Je vais en récupérer. Là, j'ai pas besoin d'en ajouter 13. Là, j'ai besoin d'en ajouter. On n'en a pas beaucoup, je vais en mettre que 10. Et je vais aller chercher de la poussière d'os. Alors, le monsieur va vouloir me parler. C'est lui qui les fabrique, je crois. Alors,
décédé dans la salle creux. Vous avez déjà rencontré les creux? Des enveloppes squelettiques animées par l'ire et la malédiction du flamme. Les légendes disent qu'ils ont été bannis dans de grandes salles souterraines d'origine inconnue. J'ai découvert une de ces salles pendant mes études, mais je n'ai pas pu y rentrer. Peut-être que vous pourrez. Mieux vaut constituer une équipe si vous en avez une pour descendre. Non, ils ont déjà... Il y a déjà les raids? Ah, il y a du nouveau. Substance humide blanche chaude. Alors, comment dire? Comment dire? Ils auraient peut-être dû trouver d'autres noms. Là, j'ai pas le... Enfin, la poudre de... Poudre d'os? Là où c'est là? Bon, un bon cachet, ça va mieux. Non, c'est problème de fatigue. J'ai de la farine d'os, mais j'ai pas de la poudre d'os. Donc, je peux pas encore les faire. Je vais aller la stocker ici. J'ai la farine d'os, mais j'ai pas la poudre d'os. Non, je vais pas améliorer l'hôtel. Donc, il n'y a pas ce qu'il faut. Pierre aiguisée. Ça, ça, il manque des ambres, mais il va falloir les trouver, mais on sait pas où ils sont encore. Mon équipement, je crois que je suis à fond partout. Ouais, je suis à fond partout. Poudre d'os, on n'a pas ça. On n'a pas encore. Oui, il y a déjà les nouveaux donjons. Ok, eh ben, je sens qu'on va rigoler ce soir. Alors, charbon, fonderie, forge. On a déjà tout. Oh, on va pouvoir faire, je vais pouvoir faire une muse un petit peu sur les barrières, on verra plus tard. On peut faire la bouilloire. C'est juste du mobilier, ça. Ok. Fight fire with... Oula, mais... ça y est, ils ont décidé de tous parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut, papy? You need my help. Ainsi, les effroyables catacombes qui abritent les creux sont réelles. Ma tante Eline avait l'habitude de nous raconter des histoires, mais vous la connaissez, une vraie conteuse, celle-là. Si le vieux Balthazar les a vus lui-même, alors c'est vrai. Oh, pensez aux matériaux, l'architecture, les trésors, j'aimerais que mes petites jambes m'y emmènent aussi. T'as quoi de nouveau, toi? Ok, on a des lits, on a des chaises longues, ok. Ok, on a des pleins de tables et des trucs comme ça en plus. Bon, ça, on verra plus tard. Pareil pour les chaises. Des nouveaux bancs. Des nouveaux éclairages. On essaiera de faire quelque chose un petit peu, de toute façon. Là, pour le moment, on est vraiment plus en mode exploration. Quand même plus sympa. Et barrière. Oh! Oh! Sérieux? On peut faire des puits? Une source d'eau quasi illimitée, on va plus être obligé d'aller partir à 15 bornes. Bon, ça coûte du lin. Ok. Et un seau en bois. Le seau en bois, il faut quoi? Ok, c'est que dalle. Vas-y, fabrique-moi le seau. Et il me faut 8 lins de plus. Oh, bon, on va faire le puits. Donc, du lin. Du lin, c'est où déjà le lin? C'est pas là, le lin. Le lin, c'est là. Ah, faut que j'aille récolter. Pardon. C'est parti, récoltons. Allons dans les champs. C'est vrai qu'il fasse une arme qui permette de récolter, mais qui donne un petit peu plus. Salut. Ouais. Donc les raids sont là, en fait. On va voir si on peut y aller. Oui, j'ai vu ça, et ils ont même mis une mise à jour juste avant le live. J'étais là, je fais, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? C'est bon, c'est passé. Ah, j'ai eu peur. Ça veut dire que j'ai une petite mage à refaire. Ouais, mais c'est un truc, il y a que dalle. Vas-y, fais-moi du lin. Je vais faire le puits. Il y a le puits, maintenant. Donc, on va voir un puits plus près, en plus de l'autre. Alors, méfiez-vous des creux.
Très cher, l'alchimiste vous a demandé d'entrer dans les salles creuses. Faites attention aux creux à l'intérieur. Ces voleurs ont conspiré pour revendiquer une partie du flamme et ont été maudits par les anciens en guise de punition. Ok. Ne plus jamais sentir la chair d'un autre. Je l'ai plein presque. Non, c'est parce qu'il y a le texte qui était collé. Il leur manque un espace. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Terre à fleurs. Idéal pour faire pousser de belles fleurs. Oh, c'est nouveau. Avec du miel. Ok. Après, il y a plein de décorations. Oh là là, tous les pots. Ah non, mais ils ont rajouté plein de trucs qu'on n'avait pas avant. Mais c'est cool, hein. Ah oui, c'est pas le contraire. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais... c'est des pots de différentes gueules. Ok. Enfin, j'allais voir les autres, parce que s'ils ont rajouté... ils ont rajouté partout, là. Non, ça pas... Ah si, chasseresse. Ah, décoration murale. Ok, il y a des nouveaux trophées de monstres. J'ai l'impression. Même si on a déjà mis quelques-uns sur les murs. Oui, normalement, il y a tous les nouveaux monstres. Et lui, non, il n'y a rien. Et lui, je vais regarder déjà. Il y a juste une substance lumineuse blanche et chaude. Il faudrait qu'il y ait trouvé une autre traduction. Parce que bon... Désolé, mais... Ça peut porter à confusion. Mais non, voyons, il n'y a aucune confusion possible avec de l'amour liquide. passons. Ouais, donc j'ai lancé 2-3 trucs là, rapide. On n'a pas de la poudre d'os, on n'a pas le... Enfin, les semis de maïs, j'en ai 160 à poser. Alors, la poudre d'os, normalement, c'est sur la grinding mill qui est juste devant la porte, mais je sais pas si on a remis des os dedans. Non, on peut pas les faire. On peut... C'est de la poussière d'os, on fait de la farine d'os, pas de la poussière d'os. C'est de la farine d'os dans la petite meule de devant. Pas de la poussière. Ah. Et le monsieur, il propose pas de faire de la poussière d'os. Donc, il nous manque des recettes. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a plein de quêtes encore à faire. You're welcome. Et tu m'as fait mes lins. Il m'a fait mes lins. Parfait, on va pouvoir faire le puits. Et il t'a fait tes deux aussi. Hey. Là, je la sens pas, là. Pourquoi il veut pas fabriquer le puits? Non. Les mystérieuses salles creuses. Ouais, mais ça, les salles creuses... Ah, il faut l'outil de maçonnerie. Oh, c'est encore un outil à les récupérer. Oui. The craft takes time. C'est pas grave. On a calé le nain ici. Ça servira de toute façon. Et de toute façon, on le fera un de ces moments, le puits. Méfiez-vous des creux, ok. Bon. Donc ça va, ils progressent vite dans les mises à jour sur le jeu, ça c'est cool. C'est plutôt cool. Alors attends, la demande du forgeron, qu'est-ce qu'il... Ah attends, ok, c'est la demande du forgeron... Enquêter sur la lettre étrange. On a masse de choses à faire, et il nous donne a priori un truc de décoration, j'ai l'impression. Explorer les salles creuses. Oh, elle est à côté la salle creuse. On a une juste à gauche, près du sanctuaire de flammes. Elle est juste à côté. Ah, pétard. Bago. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Je veux dire, il nous propose une salle creuse à côté. Comment dire? Par contre, niveau inventaire. Bon, c'est B. Ouais, par contre, j'ai quasiment aucune flèche. Donc j'ai... Vas-y, prépare-toi. Je vais peut-être me faire quelques popos de lumineuse. Ok, où normalement, c'est ici. Voilà. Hop. Dommage, ça ne dure que 5 minutes, plus 50 minutes. Il faut de la poussière d'insectes, il m'en manque. Ah, c'est dommage. Putain, c'est cher quand même, ces propos. Bah, il faut de la poussière d'insectes, c'est pas un problème. Mais c'est la poussière luminescente, c'est chiant. J'ai un gant de garde forestier qui traîne.
Non, je peux tu pas n'en faire. feras 100, hein, c'est pas grave. La poussière luminescente, on n'a plus beaucoup de lucioles, donc... Je pense qu'on verra plus tard, c'est pas très grave. Ah oui, toi t'avais déjà fait ton le nouveau planeur. Parce que je vois qu'il y a un planeur niveau 5 qui est stocké. Donc oui, j'ai le planeur niveau 10, oui. Faudra qu'on refasse un petit tour. Comment se déplacer vite? Des fois, tu arrives à aller tellement loin. En plus, avec le double saut, tu pourrais aller beaucoup plus loin. C'est bon, ah, t'as fait toutes tes flèches et tout? Ouais. Là, j'ai une petite centaine de flèches en bois, là, pour... Moi, j'ai mon couperet empoisonné. Non, mais il est trop bien, ton couperet empoisonné. C'est dommage, c'est qu'il est il est gris, quoi. C'est le seul problème. Ben moi, c'est pareil, hein. J'attends une amélioration de mon épée. Hein. Elle fait pas mal de dégâts. Oui pour, Excusez-moi. Il se la pète avec son double saut. Elle fait pas mal de dégâts pour débuter, mais après... Ah oui. Allez, coucou Chepanier. C'est le temps que je me souvienne. Oh, ils ont changé l'interface pour la récolte. Pour les loot. Et là, t'as explosé pour le coffre. On fait voir. Ouais. Je peux aller le récupérer. Ah oui, on a le. Oh, il y a double deux armes. Non, il y a deux nouvelles. Il y a deux armes. Tu vois. Oh, un tomahawk, les jeux beaux. Ils ont changé. Il y a. Est-ce que ça y est, ils ont mis les loot un peu plus aléatoires? Ah, ça, ce serait cool, ça. Bon, après, c'est toujours du niveau 3, hein, donc ça va dégager. En même temps, on est dans la zone qui est faite pour. Hein. Oui, je me doute. Alors, c'est par là-bas, hein, le... Ouais, non, c'est juste que je m'étais retourné. Ah, pour, c'est vrai que j'en vois par deux, maintenant, de temps en temps. J'ai 30% ouais, de chance d'envoyer par deux. T'as une chance de double tap. À mon avis, il faut passer par là. Et c'est... Ah, ça y est, le bouclier réapparaît. J'avais un bug, il apparaissait plus. C'est marrant l'effet qui. Ouais, tu as les petits trucs qui sortent. Schlac. Hop. Oh, la synchro sur la fin. Elle était pas mal. Alors par contre, la viande de loup. Bah, on peut la prendre maintenant. Oh, c'est plus pratique pour ramasser, t'as juste à... Oh, c'est génial, leur système. Non, mais c'est juste que la viande de loup, elle donne que 2 en constit. Sauf pas que grave. Si on va ailleurs, hein. Non, mais si on va ailleurs, on a les gigots qui donnent 3. Oui, boah, ça va. Oh, petit coffre. Il oh, est plus petit, non? Il est plus petit que normal. Ah, tiens, bah, moi, il y avait rien dedans. Oui, c'est normal, je viens de ramasser, j'ai tout ramassé. Ok. Oh, ils explosent pas d'un coup. Il y en a un qui a explosé. Oh, là, celui-là, il est... Ok. Alors, il y a des trucs dedans. Il y a un anneau. Le sangsue vivante. C'est encore une sangsue vivante. Ouais. Et derrière. C'est celui que j'ai déjà en double exemplaire. Et c'est marrant, il était déjà ouvert. Il était déjà en mode, je suis ouvert. Ah, moi non. Moi, il était bien fermé. Ah, moi, il était en mode, je suis déjà ouvert. Je vais voir maintenant, est-ce qu'on peut... Non, on peut toujours pas les casser. Ok. Ah, les anneaux. Ouais. Alors, voilà. Tant qu'à faire, il y a une petite... Une petite table de recraft, là. Ouah, et ça va pour le peu qu'on a perdu. Ouais, mais j'avoue que moi, mon épée, elle fond comme neige au soleil. Ah, mais déjà, faudrait qu'on arrive à trouver mieux comme équipement, parce qu'on n'a pas de... Mais c'est ça, c'est que moi, pour le moment, mon épée, c'est... Attends que je regarde. C'est mon épée, c'est toujours du niveau 8, hein. Ouais,
C'est clair que... À mon avis, il faut monter au niveau du sanctuaire. Mais par contre, quand je regarde, elle fait 40... Ouais, c'est ça. Non, parce que moi, mon couperet acide, qui est niveau 16, fait du 34. Oui, mais moi, ma niveau 8, là, tout cumulé, elle fait du 42 de dégâts. Mais ça reste du niveau 8, quoi. Elle fait 22 et plus 20. Quand tu cumules tout ce qu'il y a en secondaire. Il faut passer par là. Bah, ça doit être là-bas. Hein. Oui. Oh, c'est marrant, t'as une traînée supplémentaire sur ta suite. Ah, j'ai pas fait gaffe. Au niveau de au niveau du bout de tes membres, t'as une petite traînée lumineuse en plus. Alors ça, on va en prendre. Parce que... Pour faire les champis qui donnent plus 3 en intelligence, il en faut pour faire les semis. D'accord. Oh bah tiens. Il est de retour. On a un petit arbre à casser, donc... Ah, par contre, il y a du monde. Oh, il y a des bébêtes, là. Donnez les compos, hop là. Je vais voir si je lui tire dessus, non, je lui fais que... Ah, saleté. Au secours. Ah, zut. Ça voulait pas switcher de... Et avec le hachoir? Non, je fais que deux. Il faut vraiment la hache. Eh, regarde. Il y en a les versions mini. Regarde, il y a les versions toutes petites. Ouais, c'est tout petit. Ils font pas de dégâts. Oui, bah ils essayent, mais... Oh, c'est quoi ce loot? Je prends. On prend tout. On prend même le tissu, tu vois. Jamais. Un jour, on en aura besoin. Donc cette fois-ci, on n'a pas eu le... Non, parce que c'est un CT1 qui est considéré comme déjà tombé. Donc même s'il repop, ouais. Ceux qui l'ont déjà validé ne regagnent pas le point d'XP. Clair. Quoique, moi, attends, je suis à 7 points d'XP, qu'est-ce que je peux monter là? Lorsque tu es la cible d'une attaque, les animaux sauvages dans un rayon de 50 mètres attaquent l'ennemi. Allez hop. Est-ce que j'ai des points? Oh, j'ai un point. Wouhou! Les dégâts infligés par des armes à distance sont augmentés de 10%. Ça peut être sympa. C'est l'intelligence. Quoi qu'il faudrait peut-être que je monte quand même un petit peu l'esprit. Ne serait-ce que pour avoir du mana en plus. Juste pour essayer, j'ai débloqué l'attaque furtive. Ah, il y a des petites branchettes que je peux récupérer, autant le faire. Oh, ça, je vais économiser. Réduit de 50% de 50% le temps de charge du bâton. Ah, c'est cool ça. Oui, parce que là, en fait, quand je fais le truc, ça dépend. Mais là, tu vois, je fais presque 2 secondes des fois pour l'envoyer. Là, on a eu un NXP. Ouh. Oh ouais, il y avait un lapin que j'ai... Un lapin qui traînait. Alors, où est ce donjon? Et là, le jeu te dit, vous ne pouvez rentrer que si vous êtes 3 ou 4. C'est pas ça. Hein. Ouais, non, mais... C'est quoi ces chauves-souris? Ah oui. C'est nouveau, ça? Non, mais on en a déjà eu des petites chauves-souris comme ça. Le problème, c'est que là, on peut pas continuer. Non, mais par contre, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut re-ramasser une étincelle gratuite. Oui. Mais après, pour trouver le donjon, par où faut passer? A priori, 154 mètres derrière, donc... Faut arriver à grimper. Ah, attends. J'ai l'impression que... Ah non, elles vont pas attaquer. Alors par contre c'est bizarre, celle-là, t'as vu? Elle a de la foudre dans la bouche. Ouais. Bon, j'arrive à jamais à... Elle c'est avec un rond, donc elles sont pas agressives. Non, elles sont pas agressives en fait, c'est ma compétence qui fait que les animaux sauvages sont alliés. Tant qu'on les agresse pas, ils sont alliés.
Et si en plus de ça, je me fais attaquer, tous les animaux sauvages à 50 mètres à la ronde attaquent ma cible. Est-ce que ce serait pas par rapport à une grotte? Parce que là, je vois pas comment on peut l'atteindre. Ben, évent. Non, plus loin. Plus loin, beaucoup plus loin allongé. Alors moi, j'arriverai pas là-haut. Tu fouilles là-haut, tu me diras. Mais là, il va falloir que je trouve un chemin, parce que moi, je suis en bas. Commencer à protéger. Oh, attends. Oh, je... Oh, oui. Un toit, c'est un truc de défense. Attends, commencer à protéger. Oh, c'est trop bien. Attends, il y a un truc que tu vas regarder quand je vais redescendre à ton niveau. Attends. Déjà, je peux monter. Alors, c'est déjà pas mal. Il y a une espèce de petite tombe. Est-ce qu'il me suit encore ou pas? Ah non, il me suit. Ah, j'ai pas l'impression qu'il me suive encore. Peut-être parce que t'as. Ah, en fait, le loup, quand je m'approche de lui, je peux lui demander de me protéger. D'accord. Et donc, progressivement, bah, il me suit. Là-bas, il y en a un. Il est là-bas, le loup. Ouais, mais justement, c'est celui-là. Hop, 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 hop. Hop, commencez à protéger. Hop. Tac, 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 tac. Et regarde. Il me grogne dessus. Ouais. Ouais, regarde-moi. Regarde. Il arrive. Il suit. De loin. Ouais, non, il n'a pas l'air d'aller très loin non plus. Ouais, il a pas l'air d'aller super, super loin, mais c'est peut-être le fait que... Non, regarde, en fait, il s'est arrêté parce que t'étais là. D'accord. Comme en fait... Ah ouais, d'accord, ok, donc ça reste qu'avec moi. Oui, bah oui. Ouais, bah, moi, il me grognait dessus. Hein. Oui, oui, non, ça veut dire que toi, il te grognait dessus, mais il ne t'attaquait pas parce que j'étais là. Par contre, comme il te grogne dessus, il ne me suit plus. C'est super. Ah, est-ce que c'est pas par là? Alors, oh, il y a un chemin ici. Ouais, et ça a l'air d'être droit sur l'endroit. Hein. Ouais. Et ça, je pense que ça a été rajouté. Je pense aussi, parce que la dernière fois, on avait un truc bien droit, là, par là. Enfin, peut-être qu'on l'avait pas vu aussi. Hein. Bon, là, peut-être. Dommage, la pierre qui est un petit peu dans les airs, mais c'est pas grave. Merci, ouais, c'est toi pour le giveaway. Oui. C'est bon, t'as commencé Dragon Dogma le 1 ou pas? Non, t'as pas essayé. T'as pas essayé. Vas-y, joue-y, tu vas te mettre dedans à fond. Oh. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je crois que c'est les nouveaux donjons, ça, hein. Ouais, bon, on va voir. Est-ce qu'on va se faire défoncer en deux? C'est probable. Oh, le bruit long. Bonjour. J'ai ramassé quoi, là? C'était quoi, ça, que je viens de ramasser? Oh, c'était pas... Ah, attends. Fragment de marbre rouge. Oh, tiens, flèche d'os. C'est bien, ça va faire des nouvelles... Tu vois, ouvrir. Ouais. Le petit bouquin qui va bien. Veuillez partir, vous qui arrivez ici. Un nouveau mystère se lève. Okay. Les salles creuses. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, des tas de cadavres. Donc, j'imagine que... On récupère des os? Oui. C'est ça? Ah, des os à volonté. Cool. Ah, ou presque. Oh, on ramasse pas 50, c'est bon. On pourra les farmer ici. Ah, zut! Quoi? J'ai un arc pourri qui traîne. Hop là, ça fait des runes. Oh, il y avait un nonos encore. Okay. Oula! Oh, des caca-squelettes! Oh oui! Ok, ça va. Oh, il n'y a pas que des. Oui! Wow! Oh, il y a du monde!
il y a un nécromancien, je m'en occupe. Non, tu m'auras pas. Non, pourquoi il est... T'es avec moi celui-là ou pas? D'accord, lui aussi, non, il a fait... Moi, ils sont rouges maintenant, mes crânes. Regarde, il est rouge le mien. Il est plus... Oh, c'est quoi ça? Fragment d'ectoplasme. Ouais, bah écoute... Capsule d'invocation de crâne. Quand on bute les mobs, maintenant, on peut choper des capsules que comme des grenades. Ils ont rajouté tellement de trucs. Attends, je teste. Oh, attends, lotion de protection contre la glace. Je viens de ramasser. Oh, c'est cool ça. Il y a tellement de nouveaux trucs, ça va être génial. Ça va être génial. Oh. Bah, c'est le TP. Non, non, mais il est joli. T'as vu, oui, et bah. Il crâne et tout. Un petit peu. Tout ce qu'il y a autour. Ah, ça va être du débris, ça. Oui, sûrement. Y'a pas une nouvelle salle secrète? Va savoir. Bon, allez. Déjà, l'entrée, ça nous a fait... Ouais. Alors, bonjour. Alors, par contre, un truc que j'ai oublié de faire, c'est manger mon gigot d'agneau. Moi, je prends de l'eau, je prends et ça, et je prends ça. Voilà. Ça, j'ai un peu plus de points de vie. Par contre, la flasque mystérieuse, ça peut être intéressant. Un petit élixir de la folie, là. Alors, potion de magie... Faut regarder dans les bibliothèques, il y a toujours des trucs dedans. Ouais. Là, en fait, j'ai trouvé une potion de soin dans une bibliothèque. Ok. Ah oui, merde, j'en ai plus qu'une, moi. Bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Je vais pas souvent encore à corps. Ok, il y a le ressuscitation ici. Ok, il y a une potion de soin, là, je vais la prendre. Oh, il y a du marbre. Réparation d'équipement ici, si besoin. Non, pour le moment, j'ai quasiment réutilisé, donc... Moi, j'avais déjà... On sait qu'on va pouvoir revenir en arrière, quoi. J'avais à peu près un quart de l'épée qui était faite, donc... Ah ouais, ça descend vite, toi. Marbre rouge. Oh, 6 de marbre rouge, ok. Ouais, bah ça doit faire... À nous deux, on doit avoir une quinzaine. Ouais, là, ils sont en groupe, les mobs, en fait. Je leur fais tellement mal avec la baguette de feu. Ouais, non, mais c'est abusé. Hein. 233 de dégâts. Quand même, parfois deux. Bon, après, moi, je suis un chips. Hein. C'est-à-dire que je prends un coup ou deux, je suis mort. Hein. Je prends du 40, ça va. Moi, par contre, je suis bien content de ne prendre que 17 points de dégâts quand je me fais rusher. Hein. Ah non, moi, quand ils me tapent, je prends du 40. Hein. Donc, je suis un vrai chips. De la flèche en ferraille. Ah, ça c'est... C'est quoi ça? Il n'y a rien. Comme s'il y avait un truc. Ah non, mais ça. Rien. Il n'y a pas tant... un passage, là? Je ne sais non. pas. On aurait pu croire, mais non. Bon, pour le moment, le donjon... Alors après, c'est peut-être parce qu'on est dans la première zone... Oh, c'est quoi ça? Il vole. Ah, non, on peut pas le shooter. Non, on peut pas le shooter. Non. Attends, c'est qu'il doit y avoir un... Sauf qu'on peut pas passer. Ok, donc il doit y avoir une énigme dans la salle. Ouais. Ah non, non. J'ai sauté, je l'ai chopé. Ah d'accord. Bah, vas-y. Oh, attends, là-haut. Oui. Barrière déverrouillée. Oh pétard, il faut les choper. Non mais c'est sympa, c'est cool. Plouf. Oh yeah. Oui. Je pense que là, alors attends, je vais passer à la boule de feu. Parce que là je pourrais les taper de zone. Je vais faire. Hop là. Caca crâne, go. Ils font le tour ou quoi?
Et la porte juste en face, mais... Parce que à mon avis, elle s'ouvre pas. J'ai rien dit. Ouh là, il y a du monde là. Ouh là. Attention, il y a un nécro. Ouais, on va occuper. Merci. Oh, attends, c'est quoi ça? Oh, il y a des bulles de vie. On peut ouvrir des... Oh, canal d'os. Boulon de glace. Capsule oh, d'invocation cool. De crâne. Ah, cool. On peut ouvrir les tombeaux. Oh, un truc de soin. Encore des canals d'os. Damn, il y a tellement de trucs. À mon compagnon, gardien du flamme, avec juste un M. Tellement de trucs à trouver. Je suis le reflet de la surface. C'est dingue. Attends, pourquoi ne revenez-vous pas m'éclairer, mon vieil ami? Trouvez-moi derrière le miroir et plongez dans les profondeurs. Amenez-moi vers l'horizon, la lumière, la brise. Vous ne le regretterez pas, votre nouvel ami. Pourquoi ne revenez-vous pas m'éclairer? Où est-ce qu'il y avait un miroir? Bah pour le moment, nulle part. Enfin, j'ai pas le souvenir quand on est vu. Hein. Vous êtes très bien que moi, je vois un miroir, je tape dedans. Voilà, mais là, je pense que il faut sortir une torche. Oui, peut-être à ce moment-là, oui. Moi, j'ai envie de faire des chemins pas prévus. Non, là, on passe dans la brume. Non, même pas. Même pas. Bon, je pense qu'à mon avis, on peut pas aller plus loin, je crois. J'ai l'impression aussi que c'est de la génération caverne. Ouais. Il manquerait juste de la chaleur pour qu'on puisse se reposer. N'importe quoi. C'est pas grave si j'utilise des boules de feu niveau 1, je peux en fabriquer. Pas refabriquer. Oui, attends, il y a du monde là-bas. Je vais essayer de grouper. Ah, je les ai bien entamés. Ah, oh, vilain le chien. C'est bon. T'as du monde, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah, j'ai fait quelques attaques de zone et ils ont pas aimé, peut-être. Bah, la boule de feu, elle les a bien entamés, là. 150 à 2 ou 3 mobs en même temps. Donc, ah oui, ça c'est... C'est la succulence. Oui, c'est pour ça que je suis passé à la boule de feu, là. Je dis, c'est bon, je peux les utiliser. C'est le bon moment de les utiliser. Genre là. Oula, ils ont pas aimé, là. Ils sont sur moi. Non, ça va. Ouais, non. Regarde combien j'ai gêné. Tant des crânes. Non, c'est pas moi. Non, j'ai... C'est pas les tiens, ceux-là. Oui, c'est vrai que maintenant, ils les ont mis en rouge. Bon, ça va, après... Ils ont une tête un peu plus... je vais vite. Ouais. Là, je veux dire, j'ai bien touché, là. Deux boules de feu qui ont bien fait mal. Attention, le yinch. Ta baguette de feu, elle fait le taf, hein, putain. Ah oui, mais elle est plutôt forte. Si jamais on l'entend sur une note, je la garderai. Ne serait-ce que pour... c'est quand elle sera épuisée, parce que là j'ai perdu déjà un quart. Hein. Moi je suis déjà à la moitié de tomber. Ouh, j'ai pris cher. Hop. Putain, il loot rien. Le nouveau système de loot est vraiment génial. Ouais. Surtout qu'en plus, j'ai pas obligé d'appuyer sur F pour tout récupérer d'un coup. Donc, je peux les prendre un par un avec la touche d'utilisation.
Ah non, mais ça c'est des boulons de glace, on s'en fout, toi tu l'as à l'infini. Oui, la glace tu peux jeter, hein, Osef. Oh, il y a quelque chose là. Non, j'avais cru. Mais là... Oh, il y a une enclume. Ah oui, ah oui. Mon épée avait presque pété. C'est quoi ça? Non. Non, j'avais cru aussi, mais non. Mais c'est les sadiques, hein, ils ont planqué une enclume juste là derrière. Bon, donc, je pense qu'on a passé le premier niveau. Là, on va passer au niveau 2. Ouais, parce qu'on a le nouveau... Nouvelle... Et un nouveau TP. Il y a combien d'étages sur ces donjons? Ouh, attends, il y a des popos là. Ouais. Quoi ça? Ah, popo de protection contre la glace. Garde-en une, hein, j'en ai une. Oh, une popo de soin, je prends. Là, il n'y a rien. Bah, il n'y a rien. Bah, tiens, attends, popo de soin. Bah, disons que j'ai une grosse. Ou je te laisse, bah, moi, je te file la grosse et je te prends et je prends les petites. Bah, si tu veux, moi la grosse, j'en ai 5 que j'utilise. J'en ai 6. Voilà, moi j'ai une petite, ça suffit. Hein. C'est 200 PV, c'est à peu près ce que j'ai, je crois. Je suis à combien? Je suis à 330, donc c'est bon. Après, moi je suis plus derrière, donc j'ai besoin de moins. Ah, moi je vois santé de, ouais, 245, pourtant. Ah non, mais c'est parce que j'ai plus ma bouffe. Ah, nom, 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 nom. Moi, c'est l'eau que j'ai plus. Ah, moi, je suis à quasiment 400 PV là. Ouais, bah voilà, t'as 100 de plus, donc vaut mieux que tu la prennes. Ça fait quoi? Bah, en même temps, la grosse popo, c'est même si j'ai quasiment plus de PV, elle me remet full PV. D'accord, donc ça va. C'est en quantité de vie. Dans ce bois là, dit grâce. Ouch! Hop. Ah, par contre, ils ont pas... De quoi? Ils ont pas fait le principe du... Si tu butes le l'invocateur, tu butes les invocations. C'est pas grave. Elle reste. Il est toujours là, en plus. Bon, oh, c'est pas moi ou il y a un chien qui est en train de me... Ouais, là. Un Branton 150 là. Bon, on a plein de loot. Il y a quoi là? Ok. Bon, au moment, on fera le tri. Oh, attends, il y a un gros truc rouge là. Lire. Au bout de vos doigts. Hein ou quoi? Ouais, je veux l'histoire. Attends. Nous sommes très loin du compte, mon ami. Peut-être pensez-vous comme moi. Ça me l'a validé. Elle ne demande qu'à être partagée. Toujours votre nouvelle amie. Oh. Est-ce qu'il voir. Y aurait un nouveau PNJ qui viendrait d'ici? Bah écoute, pourquoi pas. Ça c'est quoi? Boulon de glace jeté. Oh mais je jette pas encore, ça va, j'ai encore de la place. Non, mais moi c'est les boulons de glace, c'est ton sort de glace illimité. Ouais, ouais. Que je récupère de temps en temps sur les espèces de liches, là, sur les micros. Oh, ok, donc là c'est nos retours si on saute. Ouais, donc on va fouiller l'autre avant. Il n'y a rien, il y a R. Il y avait une autre zone là-bas. Ouais, bah. Tu disais qu'il y avait une autre zone derrière? Ça donne l'impression. Avec plein de squelettes et des trucs de... Ah, à mon avis, ça doit être comme pour l'autre, ça doit être... Génération caverne. Ouais, c'est ça. Faudrait voir si on tape sur les trucs... les trucs verts. Ça se casse... Oh, fragment d'ectoplasme. Donc on peut farmer ici les fragments. Ok. Après, j'ai cru voir un truc. Je vais vérifier. Oh, bonjour le bouton! Bonjour le passage secret! Oh! Ah, y'a quoi? Oh, une baguette! Oh, une hache! Alors, attends, la baguette, elle est quoi?
Une baguette contondante. Quoi? De quoi, une baguette contondante? Baguette d'épines de serpent. Il faut 10, je vais la garder de côté. Et bah, j'ai chopé une hache de frisson dorsal. Arme de mêlée niveau 10. Alors je pense que ça doit être hache. Je pense que ça doit être une hache à deux mains. Ça fait c'est une hache à deux mains. Je vais te dire ça. Oui. Oh, oui. Oh, j'ai le skin, elle est jolie. Oh la vache. Ah oui, attends, on va aller la voir dans une meilleure condition de vie. Ah, t'as vu ce petit... Il y a un petit bouton sur le mur, j'ai vu, et... Voir un peu la gueule. Ah ouais, tombée, c'est bonjour. Je vais pas la casser, celle-là, je vais la garder juste comme ça, si elle m'en trouve mieux. Et sinon, ça fait une baguette de plus. Elle fait que 20 dégâts. Mais attends, fais voir la gueule de... Fais voir la gueule du... Oh! Je tire en vert. Oh, mais regarde! T'as des petits. Ah oui, des petits os au bout qui bougent. Ah non, mais sérieux. Oh, mais même regarde! Au niveau de. Vraiment au niveau de la main. Oui, il y a un crâne. Un pommeau avec un petit crâne et tout. Ouais. C'est très joli. Ils sont même lâchés sur les baguettes. C'est pas plus mal. Donc, alors, ouais, alors si jamais je retrouve un, deux trucs, je te dirai. Donc là, on va dans. Bonjour, nous allons dans le sans retour. Bon. J'y vais en premier parce qu'il y a du monde. Hop là. Oh, bon sang de bonsoir. Ah, j'ai créé un crâne. Les invocations, je les one-shot avec la baguette. Alors attends, il y a... Attends, oh, il y a un truc qu'on peut remonter ici, donc c'est-à-dire qu'on peut descendre encore là. Ouais. Alors, par contre, il faudrait y aller après, ça, je pense. Parce qu'en fait, je les ai vus, les deux pierres, elles sont à l'entrée, à droite et à gauche. Hein. D'accord. J'arrive. Là, il y avait juste un squelette qui était bugué sur un côté. D'accord. Alors attends. Attends, je jette les murs pour au cas où. Oh. Oula, attends. Ouh, par contre, moi je dis. Mais non, mais il y a une pierre juste là. Oui, non, mais il y en a aussi à droite et à gauche là en arrivant. D'accord, il en faut 3. J'ai l'impression qu'il en faut même 5. Oui, mais justement, c'est ça le truc. Ah, tiens, ouvrir, il y a quoi dedans? Flasque de survie et la brume. Oh, plus grande potion de mana. Bon, pour le moment, tu peux les garder. Oh, 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 oh. Je viens de trouver un coffre. Alors, il y a quoi? Baguette ou un arc? Mais bon, c'est niveau 10, c'est pas terrible, c'est gris. Est-ce que tu vas me trouver? Ah oui, oh. Alors, à mon avis, le truc vert, je pense qu'il faut pas qu'on aille dedans. Je sais pas pourquoi. C'est comme la brume rouge. Hein. C'est ça. Et sans faire exprès, tu sais. Je dis, tiens, il y a un truc derrière. Hop, je tombe, un trou, joue un coffre. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, par contre, attends, j'ai chopé. Bah, elle est où? J'ai chopé un bâton du croissant sinistre. Alors, c'est moins bien que mon bâton. Donc, je vais le casser. J'ai chopé un arc de niveau 10, tir argenté, mais je pense que c'est moins bien. Plus 2 de dégâts magiques de glace, je pense que tu t'en fous. Ouais, puisqu'en fait, mon arc, il fait déjà 22 et il a plus 4 de magie de brume. Ouais, donc c'est pour ça que je me suis dit que tu t'en foutrais. Ok. Par contre, regarde, si tu veux voir où elles sont les deux, elles sont là, en fait. De quoi les deux ? Quand tu remontes là-haut, il y en a une. Là-bas, en haut. Ah oui, et l'autre en face. En fait, il y en a une en face là et une de l'autre côté, pile là. Ah, t'as vu des chauves-souris là-haut. Ouais. Et ce que donc, j'aimerais bien comprendre en fait, c'est. Et comment on les atteint? Bah, alors, parce que même avec le double jump là, je pourrais pas. Non, c'est clair. Et j'étais en train de me poser la question de si. Non, mais regarde, il y a des chaînes. Est-ce que c'est pas un truc, ça descendrait au bout d'un moment? J'ai pas l'impression. Non. Ben, là, celle-là, je pense que on doit pouvoir la voir par là-bas, là. Par le chemin là-bas.
Ouais, mais l'autre aussi, hein, tu sais, en planant. Ouais, donc ça va être par en haut, et c'est bien, on est, chacun prendra un côté. Donc faut qu'on arrive ouais. à monter là-haut, je pense. Faut qu'on arrive à grimpette, et après on en a une encore en face. Ouais, qui est tout droit. Mais il nous en manquera encore deux. Donc les deux sont peut-être en bas, en fait. Les... Non, non, mais en fait, regarde. Il y a celle-là, là. Il y en a déjà deux qu'on a récupérées. Ouais, mais est-ce que c'est pas deux de plus qu'il faut ? Faire ça. Parce que là, on peut descendre. Celle-là, je l'ai chopée. Mais est-ce que ça nous amène quelque part ? Parce que là, on peut descendre. Là, il y a un crochet pour remonter. Est-ce qu'on peut monter là ? Non. Non, en fait, là, c'est juste pour... si tu descends... Ah, si, là, ici, crochet. J'arrive, attends, il est où ? Ah, putain, en fait, il y en avait vachement plus que ça, puisqu'il y en avait encore une rune sur le dessus de... Là où je suis. Ah oui, j'ai vu où est le crochet. Alors, je te laisse, t'as des boules de feu 1 dans cette tombe-là. Yes, je prends. Alors, ça c'est cool, les chauves-souris ne sont pas agressives. Enfin... Bien, qu'est-ce que ça donne, les chauves-souris mortes ? Ça donne des écussons de fourrure. Vu que tu les as attaquées, elles sont venues m'attaquer. Ok, j'ai récupéré la rune. Ouais, je vais récupérer l'autre. Je l'ai aussi. Alors la porte a pas l'air d'être ouverte, donc je pense qu'il faut descendre. Il doit y en avoir encore deux. Il en manque une. Non, il en manque deux. Non, j'ai regardé par en bas, il n'y a rien. Enfin, c'est plus un chemin, à mon avis, tu peux pas passer. Regarde sur la porte, il n'y a qu'un truc. Il brille encore, il en manque une. Il en manque une. Ben, il n'y a pas celle du centre. Non, mais celle du centre. Tu as déjà récupéré. Je l'ai récupéré en fait en montant. Donc je dirais que ça va être dans la zone. En dessous. En dessous. Ouais, je confirme, elle est là. Ok. Alors, par contre. Ça fait si mal que ça? Non, j'ai juste fait... Ah, c'était en mode Tarzan, ok. C'est ça, j'ai juste fait j'ai juste fait Tarzan, en mode... Alors, par contre, j'ai peut-être mangé un peu de miel. Parce que miel is good for endurance. Et on va remanger... La bouffe, c'est parti tellement vite. Attends, je check les murs au cas où. Tu vois un bouton sur un mur, c'est que... Et qu'il y a un passage secret. Maintenant, les livres, Zef. Oh, on peut aller par là. Là, il y a l'air d'avoir une popo. Ah non. Alors, il y a un truc plus bas par là. Et t'as une porte de ce côté. Et t'as une porte là-bas. Oh ! Réparation ! Oh, ils sont sympas, ils en mettent une à chaque étage. C'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Ah, en fait, vu que c'est un truc de niveau 10, ils ont dû se dire, voilà, ils ont des armes de niveau 10, donc une durabilité relativement limitée. Peut-être, ouais. Ouh, alors, ça sent les pics, ça. Ouais, Spike. Hop là. Ah, oula. Oh, c'est le coin un peu à piège ici. Ouais, regarde, il y a encore des pièges là-bas. Ouais, j'ai vu, il y a des pics et il y a encore l'électricité. Oula. Aïe. J'ai pris cher. Gaffe à tes points de vie.
On va aller se taper le nécro. Tiens, prends ton 200 dans les dents. Oh, j'ai deux squelettes maintenant. J'ai réussi à faire deux fois le 10%. Par contre, c'est chiant parce que si on veut faire l'autre... Attention. Bah, faudra repasser des pièges et tout. Alors, par contre... Par contre, j'aimerais bien savoir comment on fait pour changer proprement de cible quand on est en lock. Normalement, t'as une touche qui permet... Normalement, t'as une... Ouais, parce que déloquer pour reloquer, c'est chiant. Exécutez-le. Voilà, parfait. Raccourci clavier machin. Je leur fais tellement mal. Ben on va revenir avec plein d'os. Hein. Bon, là, ça sent le gros coffre. Je sens que je vais me faire bolo. Ah, changer de cible confirmée. C'est R et F. On fait ça. Ouh, c'est quoi ce gros coffre là? Ouais, je sais, c'est que je suis en train de regarder. Il y a quoi dedans? Oh, un anneau, chance de sensu et... Oh, bah je pense que c'est pour toi. Ben prends, hein. Ah bah encore un anneau de sensu vivante. Bah alors, limite... Attends, qu'est-ce qu'elle fait, la nouvelle épée? Oh oui, elle fait 25 de base. Ouais, ouais, c'est... elle a l'air d'être pas mal. Et en plus, elle fait du vol de vie. Excellent. Oh putain, en plus avec les trucs de sensu, mais tu vas y être intuable. Oh, et en plus elle a plus 20% de dégâts contre les creux. Ah bah c'est cool. Ah bah oh, d'accord. Ouh, s'il y a des baguettes comme ça, je prends. Hein. Eh ben vérifie ta baguette à toi, celle que t'as chopée. Elle est grise. Ah elle est grise, elle a pas de up. Zut. Elle est... Non, elle est verte, pardon. Mais elle a plus 4 dégâts magiques de glace et... Ah oui, sacré, plus 10% plus de dégâts contre les creux. Voilà. Mais il faut quand même sera boostée. Ouais, ça veut dire qu'il... Alors attends, est-ce qu'on peut booster là comme ça, artisanat? Oh! Eh oh, toi, t'essaies de nous prendre de dos? Ou t'étais coincé dans ton mur? Allez, c'est un move toi. Il va falloir faire demi-tour, non? Non, non. Ça ouvre juste la porte. Je pense qu'on doit pouvoir rattraper l'autre côté. Oh, bouquin. Venez ici. Libérez-vous, trouvez-moi dans cette mer d'âme et échappez-vous avec moi, tendez la main. Vous savez qui a écrit ceci, donc toujours nos amis. Ouais, bah en fait, c'est, si on arrive de l'autre côté, on arrive par ici. D'accord, donc y a, on peut, c'est soit un côté, soit l'autre, à mon avis. Ah bah oui, vu qu'on peut plus faire marche arrière, vu bah qu'on a sauté dans... Mais non. Mais si, non, on peut. On peut encore faire marche arrière, hein, faire l'autre côté. Mais c'est pas grave, on avance. Il y a l'air d'avoir pas mal de zones dans ce donjon. Donc autant... Ok. Bonjour et bienvenue dans la salle de la réparation, merci. Il y a plein de... C'est sympa, il y a plein de petites décorations là qui sont sympas. Ouh, grosse porte, ça sent le boss. On arrivera au boss. Bon sang, restore. Oh. Attends, il y a un truc que je vais faire. Je sais pas pourquoi ils nous ont donné des popos de glace. Donc je me dis que autant on va se taper un boss qui va taper. Allez. Glace. Glou glou. Je la prends pas tout de suite, hein, mais. Bah, bah moi je viens de la, moi je viens de la boire. Ah bon, il y a le temps. Bah pour enflammer 30 minutes, hein. Ça va. Parce que je pense qu'on est peut-être pas encore à la zone, mais on sait jamais. Donc il y a eu qu'un passage secret. On n'a pas vu d'autres pour le moment. Waouh! Il y a deux chemins. Il y a là. Oh, l'ambiance est énorme. Oh, c'est beau. Ah, t'es allé regarder par là, toi. Moi, j'ai regardé de l'autre côté. Oh, attends. Il y a encore une porte qui est fermée. Et tu peux l'ouvrir et ou pas? Et j'entends... Non, non, et j'entends des mobs derrière. Mmh.
Hop. Non, c'est bon, ça. Bon, ça, à mon avis, c'est si on tombe, à mon avis. Si on tombe, c'est pour revenir très vite ici. Je me disais, merde, faut que je fasse gaffe à ma torche. Il y a des mobs derrière. Il y a des mobs derrière la porte fermée. Oui, oui, ben, de toute façon, à mon avis, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir trouver les spots. Après, il y a le chemin par là encore. Oh, 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 oh. Bonjour. Oh, des flèches d'os. Allez. Oh, il va falloir trouver encore des runes. Alors moi je dis par en haut. Je lis. Il y a surtout beaucoup de monde. Ouais, aïe, aïe, je viens me prendre de derrière. Aïe, 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 aïe. Ok. Rends-moi mes PV. Donc 90, sale bête. You. Ils sont tous venus en groupe là. Là, il y a plus de monde d'un coup. Il y a une porte de ce côté, t'as une porte de ton côté. Ah, pardon, le chien, je l'avais pas vu. Eh ben, je t'avoue, j'ai pas pris. Il s'est pris 154 et 151 dans la mouille. Bah, je t'avoue que je suis bien content d'avoir pris quand même la popo de Rési et la glace. Ah ouais, parce que tu t'es fait attaquer que... glace. Ah ben j'ai les mages, ils me mettent des gros cartons à la glace. Hein. D'accord. Je sais pas, vu que j'ai pas le temps de les approcher. Bon lui il y a son invocation qui s'est fait déposer. Oh pourquoi moi? Le squelette. C'est gentil mais. Mais. Rends-moi mes PV. Non mais. Vilain petit. Alors par contre. Ah oh oui, t'es un peu con, hein. 150. Ah. Ils sont... Ouais, là, l'IA, elle est un peu... C'est des squelettes aussi, hein. Mais il y a plein de portes, donc à mon avis, il doit en avoir derrière chaque porte. Mais t'as vu qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire. Bah, il y a 4 portes, au moins. Donc, déjà... voilà. Alors on prend laquelle pour commencer? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi ça? Ah non, moi je suis là derrière. Non, non, alors c'est pas toi non. Ça. Ah par contre lui, il a une rune sur lui. J'ai pas vu l'effet de rune. Mais le slash, j'ai l'impression qu'il a disparu. Mais go, hein, on se fait une alors, porte. Alors je te confirme qu'il y en a une qui a disparu. Ah, y a on peut pas l'ouvrir. Ah, est-ce que c'est pas. On se prend des vagues. Oh. Oh, c'est quoi ça? C'est nouveau ça. Il y a un zombie avec regarde, une regarde, regarde tout ce qui arrive. Regarde tout ce qu'il y a derrière. Hein. Ouais, ouais. Ah. Oh la vache. Oh la vache. Oula! Les canards d'en haut, survie! Non, 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 non! Ah non, je suis tombé! J'ai rien pu faire! Putain, je voulais pouvoir m'éloigner pour pouvoir manger un coup de gigot, mais j'ai pas pu. Alors j'ai. Oh ouais, t'inquiète. J'ai un dehors où ils de sont. Parce que là, je peux les gérer. Ils sont plus beaucoup, mais. Aïe. Ouais, t'as un nécro derrière toi, en fait.
J'avais la mort aussi, enfin un truc à faux qui était derrière moi. Ouais, ouais, je l'ai un peu cartonné à la fin. Ah, mais je te dis pas, j'ai balancé un nombre de boules de feu. Fais attention derrière toi, t'as un squelette qui arrive. Non, c'est bien. Ah non, c'est bon, c'était ton petit crâne. C'est mon mien, t'inquiète. C'est mon mien celui-là. Je voyais pas la couleur. Ah, ils sont vénères là, ils nous ont envoyé un paquet sur la gueule là. Ah, mais on en a pris en face et derrière nous en fait. Oui, je sais, je sais. C'est à un moment, je zigzaguais avec ça. Je m'utilisais, tu sais, je les laissais en bas, je montais, dès qu'ils montaient, je redescendais, etc. C'était plus pratique. Par contre, je vais jeter un petit crâne quand même. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse... Mais t'en veux d'autres, hein, parce que moi, je vais pas les utiliser. Je te les laisse, des petits crânes. Non, j'en ai... mais pas spécialement, genre... Ah. Oh, niveau 15. Ouais, un yinche. Il m'a un peu bouffé les arpions. Et il y a encore du monde là-bas. Non, ça, ça repop à l'infini, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'ils ont amélioré un peu la partie mana. Mais vite lui, il est devant moi. Ça va, t'en sors? Ah, oh ouais, ça va. Heureusement qu'il y a ma régène. Putain. Ah, je viens de me faire one shot par Monsieur Faux, donc t'es tout seul là. Ouais. Moi, t'as, si t'as un crâne qui aide. Et il a l'air d'avoir du point de vie, le Monsieur Faux. Fais gaffe, t'as un petit squelette derrière toi. Ok, ça va, tu vas aller. Merde, j'ai mon épée qui a pété. Vas-y, si tu peux me raise. Je vais reprendre un steak, parce qu'il y a tout qui est par disparu. Par contre, moi j'ai mon épée qui vient de péter. J'ai entendu ça, oui. Oh putain, mais tu sais que ça repop à l'infini, j'ai l'impression. Il va falloir... Bah, il faut peut-être regarder au niveau des portes, alors. Bah, le problème, c'est qu'elles sont fermées, les portes. Attention. Bon, il n'y a pas un spawn d'un mob... Aïe, 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 pourquoi lui, par derrière, tu sors d'où, toi? Ah, attends, non, il y a une porte qui est ouverte. Ah oui, bingo. Allons par la porte. J'y passe. Oui, il y a un coffre au fond. Il se trappe. Je sais pas pourquoi je sens la porte qui va se fermer derrière. Ok, il y a des blocs de salle creuse et tout. Hop, hop, hop. Ah ouais, blocs de salle creuse établis. Je pense qu'il faut qu'on passe les vagues et ça ouvre. Si tu veux une popo de résistance à la glace, tu me dis, j'en ai chopé une autre. Ça a ouvert ton côté là-bas ou pas? Oui, c'est ouvert en face de toi. La porte est ouverte en face de moi, justement, c'est de là d'où ils sortaient les mobs. Ouais, bah moi en fait, ils sortaient aussi de là-bas. Donc je pense qu'on s'est pris des vagues. Il y avait 4 vagues et oh, il y a encore du monde. C'est bien visé, ça. J'ai bien pris la boule de feu dans la gueule. Je suis mort avec ça, moi, tout à l'heure. C'est bon. Attention. Oh. Non, non, toi, tu restes derrière. Gentil pépère. Oh, en plus, il y a les... Oh, il y a les tombes à vérifier sur les côtés. Oui, oh, je sais. Canal d'os pour toi, ici. Attends, récupère, je te le file. Il y a encore des morceaux de salle creuse. Ok. Ah, là. Hop. Ah, petit, y a une petite pote. Alors, il y a... ça pour... mais il y a ça pour toi. Ok. Le canal d'os, ça sert à quoi?
Ah mais c'est un sort. Oui, c'est un sort. C'est un sort qui lance des nonos. J'avais même pas capté que c'était un sort. J'ai trop de sorts. J'ai beaucoup trop de sorts. Pendant que je pense que ça a dû ouvrir les deux autres salles, on a dû se prendre les quatre vagues là. Ouais, et surtout la porte en fait est ouverte. Il fallait juste résister pendant un certain temps. Oh non, il reste. Ah, c'est gamin, laissez-moi faire une gaffe, frère. Oula. Ça a pris un peu cher là. Wouhou. Oui, aïe 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 aïe. Ouah. Non mais. Non mais Choupinou. Non, Justin, au secours. Il y en a un peu beaucoup. Je suis mort. 10 mobs, je peux rien faire. Oui, non, mais moi, tu verrais combien j'en ai sur le dos. Ah, oh, puis en plus, ils arrivent par derrière, ça va pas le faire. Oh putain, vite, 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 vite. Ah, j'ai pas assez d'endurance, putain. Va te faire foutre. Il faut de l'endurance. Ah, je voulais essayer de monter sur le truc pour... là j'en avais trop sur le cul là, mais c'est pas grave, on est à côté hein. Par contre attends, est-ce qu'on a là la... oui on a ça de quoi. Oui, ah oui, pour réparer ça va servir. Ouais. Ah, ils sont peut-être un petit peu vénères là avec le nombre de mobs qu'on se prend en même temps là. Alors par contre popo miam miam. Oh attends. Abri, chaleur, si on s'assit. Non, ça marche pas, on n'a pas la chaleur. Attends. C'est quoi? C'est canal d'os? Ouais. J'en ai 30. Alors, comment dire? Ça va être l'armée contre l'armée. Attention, derrière. Non, c'est pas des... Regarde ce que ça fait. Trop tard. Ah oui, attends. Là, la porte, elle était fermée, elle est ouverte maintenant. Ouais, j'ai vu, ouais. Attends, il y a juste un coffre. Attends, les trucs d'os, tu vas voir ce que c'est. Je le ferai après. Oh, non, le chien. Vas-y, t'as un yach. Alors, il y a quoi là-dedans? Oh, un sceptre. Oui, bon. Ouais, mais bon, il est gris, malheureusement. Ouais, dommage. Non mais attends, tu veux rigoler? Tu veux voir ce que c'est le sort de Canal oui. Chaos? C'est quoi ça? Bah ben, voilà. Donc c'est pas ouf. Ouais mais attends, là c'est pas ouf parce que t'avais pas de cible. Tiens regarde, là t'en as une de cible. Je la grotte. Vas-y. Et ça part vite hein, tu sais que j'en ai perdu la moitié là en faisant tout ça. Ah, c'était les guidés. Ok. Mais attends, je vais passer à la boule de feu 2, ils vont moins rigoler. Parce que là, j'ai utilisé que la boule de feu 1. Vas-y, groupir. Aïe. 5. Oh, oh. Non. Aïe. Ah. Je suis faible contre les mages. 5. Oh, oh. J'ai tué un gros. Oui, Gatsby. Meurs. Ça, c'est la tombe là, c'est la sienne ou c'est la mienne? C'est la mienne. Non, c'est la sienne, celle-là. Oh, j'ai un copain là. Ouais. Ouais, en fait, c'est que les portes se sont ouvertes trop vite et on a tout pris d'un coup en fait. Et là, tout est ouvert. Hein. Ouais. D'ailleurs, les pots, on les casse pas depuis le début, il y a des loots dedans. Ils en ont mis partout. Là, il y a un morceau.
Ah non, mais il y a des loot de partout. Hein. Bon, là, je pense que j'ai encore des morceaux de briques. Ah, avec un arc niveau 10, donc OZEF. De l'eau. Mais tu veux dire que dans les pots là. Ouais, ah, regarde. Fragment, ok. J'ai chopé un petit truc de. Oh, tiens, il y a une pierre qui naviguait là en mode coucou, bonjour. Et lui, il est mort. Appelé Adèle. Ah, bah tiens, un petit sort que tu as pas pris. Bon, un autre, c'est de glace, je l'ai pris. Attends, il y a encore une faux. Je vois qu'il y a encore une faucheuse qui traîne. Ah, ça va, une faucheuse, tu dois pouvoir la gérer. Oui, après, il y a quelques autres mobs à côté en plus. Hop. C'est bon. Je vais faire le dernier coin à un coffre là-bas, qu'on n'a pas fait. Je vais goûter ça au passage. Ok, barrière déverrouillée. J'ai tué le dernier mob. Et... Ah, pétard à mèche. Mais qu'est-ce que vous foutez encore là, vous, là? Ça suffit des mobs. Elle suffit. Ah non, il y en a encore des mobs là. Oula. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ça va, t'as 2-3 mobs, ça va. Ah, elle est plus longue à lancer, la boule de feu 2. Je vais voir pour faire un backtrack pour réparer. Va. Moi, je ramasse. Eh bien, on en aura des os pour faire de la poussière d'os. Ah bah là, je crois que j'ai presque 2 ou 3 stacks de de nonos. Ah, la boule de feu 2, elle fait beaucoup de dégâts, mais elle est 2 fois plus longue à lancer, donc... On va revenir sur la boule de feu. Hein. Ah, pardon, bonjour. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils arrivent de, ouais. Depuis la pièce du fond en fait. Hein. Ouais, je te confirme. Wow. Non, gentil. Alors, je les ai bien entamés hein, normalement. Putain. Rendez-moi mon endurance. Putain, l'autre d'où il sort. Pas d'où il est sorti, mais aïe. Ça va, vive ma régène quand même. Quand il y en a un, ça va, mais... Ouais, j'avoue que ta régène, elle est juste... Mais... Bah parce que j'ai monté à max l'intelligence. Plus j'ai d'intelligence, plus ça heal, en fait. C'est pour ça que je vais traquer les points de vie dans le... Est-ce qu'on a farfouillé toutes les pièces? Oui, j'ai fouillé les 4 pièces. Ok. Je sais que j'y suis allé dans les 4. Maintenant, il y a encore du monde. Panier. D'ailleurs, on va pouvoir passer à la suite. Ah, celui-là est bugué. Celui-là est bugué, ouais, on peut pas l'avoir. Ah, attends. Est-ce que... Il manquerait plus que mettre de la chaleur, là, et puis on pourrait faire un petit camp. C'est débile. Attends, qu'est-ce que je pourrais virer qui est des brandy, OZEF. Ça, OZEF. Il est bugué au sol. Ouais. Les livres. Si jamais tu les veux pas les brandy, tu me les envoies. Trop moi, tard. Ça fait des. Je les ai cassés. Désolé. Bon, t'inquiète. Alors, par contre, les boulons, ça dégage. Tiens, t'en as là des brandy.
Ah bah déjà attends. Hop, attends. Oula, attention. Ouais, vu. Micro. Pardon. Ah, on va... Ça. Ah, de la vie. Caca crâne. Qu'est-ce que c'est que ça, ouvrir? Adwell Cronway, le collectionneur. Non, on a un nouveau copain. Un nouveau mob. Excellent. On va pouvoir lui faire une crypte en os. Hein. Ouais, je crois, avec ce qu'on a récupéré. Fragment de marbre rouge. J'en ai tellement récupéré, là. Oh, donc, pour réparer. Réparation. Donc, oh, ils en ont mis plein, les enclumes, c'est bien, ça. Donc, il y a un nouveau PNJ. Il y en a peut-être plus. On ne sait pas. Pour le moment. Oui, mais bon, c'est peut-être lui, hein, en fait. Hein. Vu la gueule qu'il avait. Ah, bah oui, bah, il est peut-être Portibus, en fait. Hein. Bah oui, mais c'est un squelette. Hein. Oui, bah... J'ai bien vu à la tronche qu'il avait. Ah, propos de mana. Alors, fais gaffe, en tapant les pots, ouais. Il peut y avoir des petits crânes qui sortent. D'accord, mais ça, c'est pas grave, ça. Alors. Oh. Alors, je pense que là, c'est la fin du donjon. Ouais, je pense aussi. Voir le gros parce coffre. Que ça... Ouais. Oh, l'arc. Léo, bah prends-le, l'arc, hein. Mais il est que niveau 10, hein. Ouais. Ah, attends. Bon, oh, des boules de feu, hein. Bon, j'en ai récupéré un peu, par rapport à ce que j'avais dépensé. Ça va. Ah, tiens, il y a celui-là, là, qui est fermé. Ouais, mais je suis monté, là, pour voir. Ah, il y avait des canaux de... Tu sais, glace aux F. Bon, moi je fais les pots hein, parce qu'à chaque fois que je tape dedans il y a un truc qui loot donc Oui bah moi aussi donc tant que je continue à gagner je tape. Un peu comme l'histoire belge, le gars il est sur la machine qui donne des poissons, il dit ah mais tant que je gagne je joue. tant que je gagne je joue. Oh, il y avait des petites bulles vertes qui m'ont redonné des PV. Ouais. C'est bizarre. C'est, ça. Tu peux les avoir dans les pots. D'accord. Ah bah tiens, hop, un petit crâne, dégage. Je suis en train de regarder si je tombe pas sur un passage secret. Encore des. Il y en a eu qu'un seul. Ici. Ah, le petit truc vert là, qui redonne des PV. Alors soit c'est, bah, ça nous fait sortir du donjon, soit c'est. Soit le boss. Je voterai pour la sortie du donjon. Nous allons voir ça tout de suite. Bah, vu qu'on a chopé le nouveau PNJ. Ouais, non, je pense que là c'est. C'est la sortie. C'est la sortie. Ouais, il y a plein de. Voilà. Je disais. La la la. Ramasson. Oh, il y a plein d'araignées dans celui-là. Ah, des brindilles. Lèche en ferraille. C'est cool ça. Ah mais t'as pas ramassé la popo et... De quoi la popo et... Popo et fragments de marbre rouge, t'as pas ramassé. Ah, je suis passé à côté en fait. Oh, il y a tellement de loot dans les... Ah, c'est... depuis le début on les tape pas, mais en fait on aurait dû... Ah, bonjour le crâne. Tiens, prends ton petit coup de... J'ai eu mon premier crâne. Yeah. Ah bah je vais te donner plein de flèches. Eh mais attends, c'est sûr que c'est la fin parce que ça veut dire qu'on a loupé la popo qui était là au début. Voilà, ça respawn entre temps. Ou alors il y a un truc en plus. Non, non, on est au début parce que regarde, là on a un bouquin. Un nouveau mystère se lève. Non, non, on est au début. Au début. Ok, on avait loupé des alors, trucs. Alors attends, donc pour toi j'ai ça. Ah bah oui, porte de sortie. Bonjour. Ah oui, d'accord, mais t'es déjà à Babel Wet Tabou. Ah oui, non, moi j'ai pas... Je traîne pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs... Attends, moi j'ai ça pour toi.
J'ai chopé plein de flèches. Voilà. Et bon, j'ai l'arc vert, tu t'en fous, donc je vais le démanteler. Ouais, tiens, la grosse. La masse violette, massue fléau des eaux, je pense que c'est encore un truc à deux mains. Vous pourrez préciser, parce que c'est arme de mêlée, mais ça dit pas si c'est une main ou deux mains. Non, alors dommage. Oh non, c'est une main! Oh! Alors par contre. On est. Par contre, les. Comme tu disais, les armes à crâne. On fait quoi? On essaye de les collectionner ou on les désosse? Parce que j'en ai eu encore une, un arme à crâne. J'ai eu la massue de fléau des eaux. Ouais, non, mais. Parce qu'en fait, l'arc tir argenté, c'est une. Non, on casse, on s'en fout, on en redroppera. Alors, l'arc, devine combien il fait? Il fait 90 runes à lui tout seul. Voulez-vous récupérer cette pile d'objets? Elle ne peut pas être récupérée. Oui, montrez. Ah, sur le violet, il pose une question maintenant. Ouais. Maintenant, il pose des questions en se disant où c'est peut-être une erreur. Ouais. Bah, fragment d'ectoplasme, j'en ai un peu 80. T'en as combien, toi? 60. Eh ben, je crois qu'on a fait une bonne razzia. J'ai 46 fragments de marbre rouge. Ah, tiens. J'avais pas vu que j'avais aussi ça. J'ai 968 blocs de salle creuse. j'en ai pas un seul. Oui, je les suis allé tous les ramasser en fait. Ah bah tiens, j'ai eu un de farine d'os. Lol. Un seul de farine. Ah non, j'en ai eu deux moi. Bon, bah on peut retourner. Ah bah tu vois, on sort, le soleil se lève. Et le jour c'est le. Ok, donc la salle creuse, c'est le symbole est comme ça. Ok. Ah, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est une torche. Ouais. Bah, bonjour. Eh ben, tu sais qu'on a quand même passé presque une heure et demie dedans. Ah ouais, mais c'est un peu moins, une heure et quart, allez, plutôt. Ouais, mais c'est quand même un sacré donjon, quoi, il est pas tout petit. Je dis pas le contraire. Mais c'était sympa, c'était sympa. Sors le caca squelette. Ah merde, pour le transfert, il y a plus le déposer tout. Là, c'est chiant. Bah tu fais alors attends. C'est image R. Ouais non c'est ça, c'est majuscule R pour tout virer. C'est ce que j'utilisais à la base. Non, moi j'utilisais le truc, mais tu peux cliquer dessus en fait. Ah oui, tu. Ah par contre bon bah des nouveaux mettre ça ici. Les nonos, on en a tellement. Bah tiens, les morceaux de marbre rouge, je sais pas si c'est là, mais je les mets là. Vas-y. Il va falloir qu'on refasse un coffre. Encore. Non, ça, à mon avis, les brumes liquides, tu dois avoir un endroit où les mettre. Bah, c'est bizarre parce que j'ai. T'as dû louper un coffre. J'ai fait tous les coffres en mode vas-y range et alors peut-être qu'il y avait un stack plein, c'est peut-être pour ça. Parce que c'est par 20. C'est peut-être ça le truc. Non, c'est par 50. Et oui, il y a le stack plein ici. Ouh, mais attends, il y a plein de stacks à faire cuire là. Comme ça, je vais mettre les blocs ici. Attends, on a un nouveau copain. Je vais aller le mettre ailleurs qu'avec les autres. Donc là, ça me libère une place et on va mettre ça ici. Ok, il reste plein de place là. Je vais pouvoir mettre les surpreuves. Ah non. Alors, attends. Pourquoi il veut pas, pas cumuler les boulons de glace là? Oh, les potions de soins, les potions de mana, les standards, j'en ai pas besoin. Ça, Osef. Alors, ça, on va aller le faire. Monsieur le Forge LOL, oh oui. Attends, pourquoi j'ai un planeur niveau 5 dans mon inventaire? Parce que c'est ton ancien planeur. Mais pourtant, je l'avais viré. Oui, mais t'as dû le reprendre sans le faire. T'as dû le revendre sans le faire exprès. Ouais. Regarde l'épée. Sympa. C'est celle que qu'on a chopée là tout à l'heure? Ouais. Et là, de base, elle fait 32 de dégâts. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde pour booster la mienne. Là, Alors, de base, elle fait 32, auquel tu rajoutes 12 dégâts de glace.
Alors, les épis de maïs, t'as 16, 36 épis de maïs qui ont été cuits. Oh. Ah, par contre, attends. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui fait farine d'os ou est-ce que c'est le nouveau PNJ qui fait la farine d'os? Peut-être. Attends, je vais pas le mettre avec eux pour éviter que... De toute façon, déjà, il commence à avoir trop de monde dans ce bordel. Je peux pas tourner. Ouvrez la porte. Hein? Ah, j'avais pas fait gaffe que t'avais fait un gros INN là. Hé, hey, allô? Et il est là. Oui, non, mais je sais, mais je bug, j'arrive pas à le... Je bouge tout seul, en fait. Voilà, je le mets là, mais j'en ai marre, là, je bouge tout seul, ça me gonfle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Parler, fabriquer. Alors, collectionneur à votre service, je suis enfin libre grâce à vous, mon ami. Tous les noms sont éphémères, ce ne sont que des sons et de la fumée. J'en ai autant qu'un sablier à de grains de sable pour vous. Je serai Alden. Je suis la lumière qui fait signe vers l'aval, une étoile qui s'éteint derrière les vents du nord, un collectionneur et un briseur de chaînes terrestres. Je déchirerai le voile pour vous quand vous serez prêt. Le prix à payer est peu élevé, je vous le promets, mon ami. Oh putain, il y a trois trucs à lire. C'est parti. Les crânes sont un ennemi. Les creux maniaques sont animés. Ah non, mais c'est pas un squelette, il a un masque, en fait. Ouais. Mais bon, il doit être squelette derrière. Les creux maniaques sont animés par le ressentiment. Il faut les libérer, les rendre au vent du destin. Fendez leur colère, chauffez à blanc. Faites craquer leurs doigts pâles comme des brèches. Des bréchés, pardon. Arrachez les dents en or de leur mâchoire et apportez-moi la tête de la bête borne qui se trouve parmi eux afin que nous puissions boire dans son crâne. Rassemblez vos forces et fabriquez la clé pour descendre. Non, mais ils n'arrêtent pas. Les gens vous suivent, amis aux yeux brillants. Pourquoi? Je vois une lumière pulsante à l'intérieur de votre cage thoracique, maintenue par la chair et les os. C'est intéressant. Peut-être avez-vous fait ce que je n'ai pas pu faire. Sang de flamme, ils vous ont appelé. La flamme est donc à la fois une bénédiction et une malédiction. Oh, comment le fil du destin se déroule pour nous réunir, amis. Ah bah tiens, amis, c'est lui. Il plane sur la brise à chaque nouvelle... Inspiration, une odeur inconnue qui s'installe dans mes poumons. Qu'est-ce que c'est? Une autre malédiction? La brume, vous dites? Une brume maligne qui étouffe les sots et les courageux? Ces questions mortelles n'affectent guère ceux qui s'élèvent au-delà. Vous et moi, tout feu, tout flamme que nous sommes, continuons malgré tout. Ok, la bête borgne. Le vent du nord a emporté vers l'aval. Elles surgissent des lointaines falaises monolithiques et robustes. Le regard cyclope. Pique tournée vers les rafales de lumière qui dansent à l'horizon, attirées par les scintillements comme des papillons de nuit par la flamme. Elles sont fatalement avides, elles ont fui une fois brûlées et creusées par la malédiction. Ne leur montrez pas de pitié, elles vous réduiraient en poussière si elles en avaient l'occasion. Alors, qu'est-ce qui permet de fabriquer, monsieur? Je vois déjà des sorts. Clé d'os de la bois envoûtée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre les portes des salles creuses de la bois envoûtée. Okay. Bah voilà, je pense que ça c'est... Ok, il fait les cristals d'os. Oh, comme ça. Ah oui, mais il en fait par 100. Ok. 50 tours et 20 fragments quand même. Les invocations, on peut les fabriquer, ok. Des flèches d'os, c'est pour toi. Ouais. Ouais, ça coûte un bras quand même. Ouais, ça coûte... Gemme d'ectoplasme qu'on peut fabriquer, il faut des pierres de silex. Donc ça veut dire qu'on pourra... Et il n'y a pas la poudre d'os, hein. Et regarde les jolies tables ouais. Qu'il y a là-bas, on peut les faire. Ouais, et les chaises aussi. Mais alors, ça coûte... Ça coûte un bras et demi. Ouais. Mais on verra, de toute façon, on fera... Tiens, d'ailleurs, il faut que j'améliore mon équipement, moi. J'ai une nouvelle baguette à améliorer. Ah, attends, éventuellement, tu veux que je la fasse, la clé d'os du bois envoûté, hein. De quoi? La clé d'os du bois. Je peux la faire, hein. La faire aussi. Bah je sais pas, est-ce que ça va servir pour le moment? Parce qu'on n'y va pas encore au bois envoûté. On en est loin. Mais on peut la faire, oui, au pire. Bon, de toute façon, on les replacera comme il faut, les PNJ. À un moment donné, là c'est... On leur remettra... On fera un vrai village plus tard. Tiens, il a un truc à dire. Oh, à propos du collectionneur.
l'alchimiste. Ouais. À propos du collectionneur, et en plus il y a de nouveaux crafts, je vous ai demandé de visiter les salles creuses, donc je crains que notre nouvel associé soit en partie de mon fait. Vous savez que je marche sur un chemin de lumière, cet individu s'attarde dans l'ombre, un abri pour tous bien sûr, mais je conseille la prudence, cette créature tord les fils du dessin et les noue à un tourbillon chaotique, une telle énergie noire, je me demande comment elle a obtenu de tels pouvoirs. Et on peut fabriquer des nouveaux trucs avec lui. Des orbes, la boule de cristal on peut faire. On peut faire la boule de cristal. Ouais. Et il y a la miss qui veut parler aussi. C'est une cette créature sans visage. Votre tout nouvel ami, qui est le vôtre, sent la décomposition. Sa robe et son haleine s'en imprègnent. Je les observe, il s'attarde près de l'autel. Il fixe le feu, les cendres et les flammes. Je ne vois aucun reflet dans ses yeux, aucune lumière. Cela me donne des frissons comme le faisait le vieux pic hurlant. Ok. Bon, il l'aime pas. On a bien fait de le séparer. On lui fera une baraque pour lui. Il n'y a rien de nouveau. T'as des nouveaux trucs, toi? Non, il n'y a rien de nouveau. Et guerrier, est-ce que t'as des nouveaux trucs avec tout ce qu'on a ramené? Non, rien de nouveau. Ok. Ouh. Et ben, ce fut une quête très intéressante. Bah si, attends, de la farine d'os, on en a 152. C'est la poussière d'os. Ah, c'est la poussière d'os qu'on n'a pas. Je le répète à chaque oui, fois. Oui, je vais avoir plus. T'inquiète, j'avais la même. Regardons un peu la map. Il y a plein de trucs. Alors, on a quasiment tout fait, tout ce qui est autour de nous. C'est déjà pas mal. Ils ont prévu de faire des trucs, des nouvelles îles, des trucs en plus. Marqueur personnalisé. Ah oui, j'avais mis. Presse à ectoplasme pour le collectionneur. Ah. Pas loin de la maison niveau 1, près de au-dessous de la tour des anciens là. On pourrait aller faire celle-là. On pourrait aller faire celui-là. Là, ça me fait penser qu'il y a une maison 1. On n'a pas allé voir le sanctuaire. Il y a un puits d'élixir qu'on n'est jamais allé faire. Hein. Qui est pas loin. Oh. De quoi? Il y a le bouclier de héros. au niveau du forgeron. Alors par contre, il fait quoi? Il fait 10, 35, 110. Et celui que j'ai, il fait quoi? Ah, mais il est mieux en fait le bouclier du héros. Strike while the iron's hot. Hey, je suis le héros. Tintin. Alors déjà, je regardais pas parce que j'étais dans un menu. Oui, joli bouclier. Il est pas mal. D'ailleurs, bah, si jamais tu veux, je peux te passer l'ancien, le rempart de Pikmid. Oui, pourquoi pas, parce que moi j'ai juste mon bouclier fantôme là qui bloque moyen. C'est celui-là. On va voir s'il bloque mieux. Bloque 7. Il a moins de capacité de parade. Parce que moi j'ai 32 de capacité de parade avec 5 blocs et 110 de durabilité et de résistance au feu. Ouais, on va prendre celui-là. Et là on le mettra de côté, on verra plus tard. Comment ça fait un match stylé. Pas là-bas. Jamais si un jour quelqu'un nous rejoint. De plus. Je dirais que on aille faire le truc pour l'écraseur et je pense que notre. Faut aller à la maison 1, tu sais, où on va, qui est à côté des trucs de cuivre. Je vais voir où je vais aller. La presse à ecto. Ouais. Parce qu'à mon avis, presse à ecto veut dire aussi peut-être presse pour faire de la poussière. Je rêve. Je vais s'en mettre par là.
combat. On va voir si mon si mon épée caca crâne tape plus fort que la précédente. Sûrement. Je vais essayer celle-là sur les... Oh, je fais des traînées vertes derrière moi. Ouais. Bonjour, c'est une arme nécro. Non, il n'y a pas d'habitude, il y a des grouilles ici. Bonjour, je suis un nécromancien. Toi, non. Ah, zut. Quoi? Où est-ce qu'il est? Quoi? Voilà. Qu'est-ce que t'as oublié? Bah non, mon arc. Attends, j'ai ma baguette qui s'est encore... Putain, mais il me saoule. Hein. Elle a déséquipé ma baguette. Mon bâton, quoi. D'ailleurs, hop, je vais repasser sur les carreaux éternels. Donc ça y est, j'ai pris le truc pour diviser par deux le temps de l'incantation. C'est dans une zone qu'on n'a pas visitée, donc... Ça a l'air par là-bas. Ouais, vers le sanctuaire de la flamme. Il y en a un juste en face. Ça, ouais, c'est bon. Ça. Putain, ce jeu, mais sérieux, pour une early access, il y a tellement de trucs, c'est... Ouais, salut les champis. Attends, petit champi. Quoi, tu veux le tuer? Non. En fait, je regardais s'il était... agressif. Si je pouvais me rapprocher de lui. De toute façon, je pense qu'il va falloir passer par la brume. Hein, on va voir le choix. Je pense qu'il fait partie des créatures corrompues par la brume. Je vais prendre des brindilles. Je vais prendre des brindilles pour toi. Pour que tu aies des flèches. Brume liquide. On prend ce qu'on a besoin. Ah oui, non, mais lui. J'aime bien, c'est le petit champignon, il t'en donne 3, tu sais. Tu fais... Attention, fleur bleue. Là, on voit pas. Un petit sac. Ouais, parce que il en faut quelques-uns pour que je puisse faire mon planeur. Ah bah on les récupère. Enfin, c'est pas un souci. Et il y en a encore une en bas. Oh, elles aiment pas, je lui ai mis un 111. Ouais, non, j'ai vu sa vie. Attends, laisse-moi ramasser, j'ai déjà pris. Hein. Ouais, vas-y. Prendre la popo de brume avant, c'est pas grave. Je pense qu'on sortira au bout d'un moment. À mon avis, par ici, peut-être. Ouais. Bon, ça a l'air. Oh oui, il y a un petit chemin là. Un petit chemin, ouais. Et à mon avis, on devrait sortir après. Et c'est là qu'on fait l'été sur la route. Donc la seule journée. Oh, hop. j'ai eu des azures dessus là. Oui, mais j'en ai ramassé aussi. Et j'aime bien, c'est tu prends le champignon, il t'en donne 3 d'un coup. Oh, ouais. Tu vois la porte que je vois en face? Mais lol, il y en a encore un. Me dis pas que c'est encore un de ces donjons qu'il va falloir faire. Ouais, par contre, regarde la porte cette fois-ci. Elle est légèrement différente, mais je sais pas. Ouais, elle est surtout fermée. Et alors? Tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il va falloir la clé? Ah, tu veux dire qu'il faudra une clé en machin? Une clé de... de la boîte. Tu l'avais pas faite? Non. Bah écoute, on récupère un peu de pierre, on fait un TP ici, et puis basta. On a besoin de 5 pierres, et il me manque plus qu'un truc. Là. Bah attends, regarde, je t'enferme moi de la pierre. Non, mais il y a des trucs à ramasser, tout con. Allez. Fabriqué, artisanat, hôtel de la flamme, fabriqué. Pardon, on va le poser. Allez, tu peux aller faire la clé.
Attends. Attends avant que tu partes. Je te donne, comme ça tu pourras vider l'inventaire. Voilà. Allez, tu peux. C'est un grenier tous les deux. Oh, il est joli le marteau comme ça. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est le donjon qui permet de. Il te donne la clé pour aller ouvrir l'autre donjon. C'est con qu'ils aient fait ça, mais bon, c'est pas très grave. Bon, bah, ça va être soirée donjon. Hein. Celui-là, à mon avis, va être un petit peu plus difficile, puisqu'on n'est pas dans la même zone. J'ai chopé des noisettes! De quoi? Il y a des noisettes dans l'arbre! Ça fait quoi? Plus 3 en force! Pendant 15 minutes. Ouais, bah à un moment, tu sais, je grimpe sur un truc, je vois récolter sur un arbre. Je fais quoi? Pourquoi j'ai récolté sur un arbre? Eh ben, en fait, il y a des noisettes. Ok. Et ça va être un bon truc pour toi, parce que plus 3 en force, c'est pas dégueu. Bah, plus 3 en force, c'est... Ouais, c'est pas dégueu, ça. Ah bah oui, noisette x 8. Ok, les arbres d'ici, ça donne des noisettes. Et ce soir, en exclusivité, caisse noisette. Pardon. Je vais peut-être en garder pour voir si je peux pas les planter. Et j'en ai récupéré un paquet, là. Et limite, t'as envie de garder la zone, le TP de la zone, juste pour récupérer les noisettes. Fait que t'en fabriques. T'es. Ah oui, j'ai récupéré deux stacks plus deux. T'auras de quoi faire, juste avant de rentrer dans le donjon. Cuivre, tout ce qu'il y a là. On a toujours pas trouvé l'ambre, hein. On chier. Hein. On en a trouvé qu'une à un moment et. Il y en a qui reviennent. La, la, la. Je creuse pour du cuivre. Pouf. Oui. Ah, plus d'endurance. Oups. C'est bon, t'es sur place? Oui. Et je vais t'attendre pour que tu puisses voir la porte s'ouvrir. Ouvrir. Oui. Et avant, je te donnerai des noisettes. Oh, dans la noisette. Dans la noisette, c'est bon la noisette. Et il n'y avait qu'un seul PNJ en plus. Ah, ouais, il n'y a qu'un seul PNJ en plus. Qu'un seul PNJ? Ouais. Mais par rapport à quoi tu vois ça? Ben parce que il n'y a pas d'autres carrés, il y a pas d'autres carrés blancs sur, c'est fraises, sur la suite. Alors, voyons voir une chose. Est-ce que la clé est à usage unique? Je pense. Ah oui, d'accord, ok. Il disait que je l'avais pas et pourtant je l'avais. Ah, papa, papa. Mais en fait, il en fallait plusieurs. Non. Et tu sais quoi? La clé est réutilisable. Oh, cool. Ah, c'est bien, ça. Alors, regarde les murs. Ok, bon, ben, donjon numéro 2. Tant qu'à faire.
On les enchaîne. Casser les pots, c'est bon, on a compris. On prend le tamawak pour casser les pots sans péter l'arme principale. Salut Watwax. Alors. Oh. Je vous maudis, flamme. Tiens donc. Oh, et là, c'est un Darius. Ah. On a eu le moyen de faire une nouvelle popo. Parchemin de prière de la flamme. Et lesquels? C'est pas ceux qui donnent du XP, ça? Non, ça augmente les dégâts magiques. C'est vrai. Donc, il faudrait que j'utilise... D'ailleurs, manger... Oui, d'ailleurs, moi, ça va bientôt finir. On va prendre les... De quoi monter les dégâts. Bah, on a déjà un copain juste là. Enfin, il y en a plusieurs, même. Ah, c'est pas le même niveau, là. Niveau 15. Hein. Ah, ouh, t'as pris cher. Tu veux les popos contre la glace? Non, ça va encore. Ils ont du PV les salauds, j'espère qu'on se tapera pas une salle comme la dernière fois. Alors, mes dégâts ont drastiquement augmenté, merci l'épée. Ouais, mais moi j'ai pas de nouvel équipement. Bah encore des trucs. Tout ça. Je veux une vraie baguette, s'il vous plaît. Donc je casserai pas les brindilles, je te les garderai. Ah. Plus grande popo de mana pour toi. Pff. J'ai pas le temps de les utiliser. De la brindille. Pareil. Tiens d'ailleurs pour éviter de cumuler trop de brindilles, faire attends. Tout de suite des. Attends, bouge pas, je te donne des flèches aussi. Oh, j'ai eu des flèches en os aussi. Je les passerai après. J'ai eu quelques flèches en os. Ah, tiens, il y a un canal d'os et des machins pour toi. Pour toi. Hein? Hein? Ok, là il y a. Ah! Lotion de protection contre la glace, ça c'est cool. J'en ai 3, hein, donc je peux t'en passer. Moi je prends moins de dégâts hein, contre la magie, donc. Hop. Il me semble qu'on est sûr de repartir propre. Oh, encore une lotion. Ah non, ça c'est un peu follet. Oh, ça c'est sympa ça. C'est mieux quand c'est propre. tout casser, tout péter. Dégage le crâne. Ah, t'as chopé on va pouvoir faire une maison en marbre. Salut Ifol, salut Jean-Edouard. Jules-Edouard, pourquoi Jules-Edouard? Parce que moustique. Je sais pas. Il fait salut Jules-Edouard. Attends, faire gaffe ici. Viens regarder les murs. A priori, il y a deux mondes en face. Ah, on va faire un. Je vous aggro! J'ai pris un coup, c'est presque mort. Hein. Ça va? Oh, c'est bon, t'inquiète. J'ai la régène. Hein. Je régène 13 par 13. Hein. Donc ça va.
Alors, moi, j'avoue que entre les deux anneaux qui me donnent de la du vol de vie. Mais je demande si je devrais pas en mettre un, en fait, de vol de vie. Et l'épée qui donne du vol de vie. J'ai un peu presque 20% de vol de vie, je crois. Ouais, ça va. Ok. Enfin, de chance de vol de vie. Ouh, il y a une porte là-bas. Il y a des copains aussi avec qui jouer. Ah, des araignées. J'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobe dans le coin. Ah, oui, en effet, il y a du monde. Bonjour! Et des fois, j'ai le ciblage qui est pas terrible, il cible le mob qui est derrière, c'est un peu chiant. Ah! Du défonçage de. Machin. Oh, du. Du feu. Ah, il faut la clé d'os en bois, de la bois. Clé d'os de la bois pour ouvrir. Tchoum! La pire la patouée, hop là! Sésame, débrouille. Oh, des brindilles, il y en a partout, hein, dans les. Elle va être longue celle-là, mais ça va. Attends, juste pour une salle fermée. Potion de mana. Id. Ah, bien. Là. Boule de feu 2 pour toi. Ah, je prends. Je crois que j'ai pris le truc maintenant qui permet d'incanter deux fois plus vite. Ouais, d'accord. En fait, la clé elle va servir tout le donjon, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils la détruisent pas. Mais peut-être que quand tu vas arriver à la fin du donjon, ils vont faire hop, allez, on la casse. Pour la dernière serrure. Ce serait ballot, Madame Chambier. Si on le casse tout, c'est parce que ça donne la ressource. Donc c'est très intéressant en fait. Même si c'est pas des grosses ressources. Ouais, il faut les runes. Ouais, il y a des runes. Et c'est des mobs qui vont la donner. Oh! D'accord. La flèche d'os, elle est perçante. Hein. Oh, le vide que j'ai fait quand tu les as tankés là! Ça fait un bon nettoyage! Ah ouais, j'avoue que. À coup de 200, entre 150 et 200 sur chaque mob, ah! Ça repop! Ouais, mais c'est cette espèce d'œuf là! Ouais! Non, tu l'as eu? Ouais. Et il y en a un deuxième. Ah merde, il y en a un autre. Je crois qu'il a pas aimé la boule de feu. Ouais, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai tapé avec le Tomahawk où j'ai fait plus de dégâts dessus ou pas, mais. Oh, il y a un pare-chaud. Ah, parchemin de prière de la flamme. Ouais, ça permet de booster d'ailleurs, ça me fait penser que. Faudrait pas que j'en utilise, hein. Je vais taper plus fort. Merde. Bon. À toi d'ouvrir la porte. Va ouvrir la porte. Les âmes, débrouille-toi. C'est une ref à Groland, d'accord. Oula, attention. Ouais. Je crois qu'il a pas aimé. Il est mort. Oh, le nécro reste ici. C'est bon, petit nettoyage de. Non, temps. J'ai pas demandé de fermer. Je veux le mob.
Ah, grosse popo de soin, je te la laisserai. Non, je veux le mob, merci. Fouiller. Erglug. Tiens, je te laisse une potion de protection contre la glace. Dans le... Ah, j'en ai... T'en as plein? Ok. Non, c'est que je les utilise pas, moi. J'en ai pas besoin, en fait. J'en ai un peu 8, là. Ok. Il y a rien sur la table? Si. Il y a un os. Là aussi. Là, rien. La queue dalle. Allez, pillage suivant. Pardon. Ok, donc maintenant il y a des œufs qui font respawn les mobs. J'aurais pas mal de brindilles à te filer. Hein. Sauf que il reste deux runes. Ouais. Donc c'est à dire qu'on n'a pas tout, tout fouillax. Vire-toi. Ah, toi tu t'es pris un critique. Ah. Ah non, le mob. Le mob dans le. Le mob qui était dans le pot, il s'est pris un critique, il a pas dû aimer. Qu'est-ce qu'on a loupé? Je ne sais pas, retournons un peu en arrière. Parce qu'on a vraiment. On a tué tout le monde normalement, donc c'est ça qui est bizarre. Alors là, non, ça non, on vient au début. Je vais en profiter pour réparer. Oui, je vais faire pareil. Je vais faire. Bon, bah, un truc que tu pourras faire quand on sera de retour à la base, c'est te faire aussi la clé, comme ça on en aura chacun une. Oui, pour être tranquille. On sait jamais. Peut-être qu'à un moment il en faudra plusieurs. Non. Attends, j'ai plus d'endurance, moi je récupère. Et puis il y en avait fait par là, mais... Comment ça se fait que... Est-ce qu'il y aurait pas un bug et... Ou alors c'est pas encore fini? Là on a tout défoncé là. On peut passer à travers. Non. Je confirme qu'on non. Alors qu'est-ce qu'on a loupé? Parce que là, il n'y a plus grand chose. Alors moi je fais la technique du lève les yeux au plafond. Oui, c'est ce que je faisais à peu près aussi. Oh, 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 vu. Ouais, en hauteur, il y a des trucs pour grimper, vu. Il va falloir jouer Tarzan. Ah, il y en a une là. Celle-là, je l'ai. Il en manque une. Ouais, il en manque une. Donc, c'est qu'il y a peut-être avoir la même chose dans l'autre salle, et comme dans ça. Dans l'autre salle, ouais, dans la grosse salle précédente. Il y a des sadiques, hein. Et je confirme. Tada! Ok. Hop là! Ça fait popper les mobs. Ouais, merci, j'ai vu. Ah. Oh, et hein, avec la faux, ça me plaît pas, ça. Ok, j'ai un copain qui a popé. Ok, j'ai tué le sorcier. Oh, niveau 15. Oui. GG level up. Develop.
points de compétence. Je vais voir ce que je peux prendre. J'ai combien? J'ai 2 points. Ce que je prends. Après avoir reçu les dégâts, non. Esprit. Et quoi après? Tous les dégâts de feu. Le coût en endurance est proportionnel au point de l'arme. Ouais, non, mais faut que je aille vers là-bas. Je vais aller vers là-bas. J'ai un truc, c'est aura radieuse. Tous les ennemis déchus dans un rayon de 10 mètres subissent un dégât de feu par intelligence. Par un d'intelligence. Donc je suis à 7. Ça sera pas mal. Boum. Bonjour, aura qui fait je te soigne et en plus je vous mets des dégâts. C'est bien. Ah, j'ai mon reposé qui vient de disparaître. Je viens de perdre beaucoup d'endu. Ah ben moi, mon reposé, ça fait un moment qu'il est... Mais moi, j'ai ma barre d'endu... Enfin, ma barre d'endu, ça va. C'est la barre de magie qui est... est pas mal, là, maintenant. J'ai pris un petit peu des points d'esprit et... je vois que j'arrive à lancer 3, 4, voire 5 sorts d'affilée sans... tant que j'ai de... Ça me dise plus de mana. Donc, c'est déjà pas mal. Mmh. Ouais, attends. Ah, voilà. Et que la dernière fois, c'était dans un par là que j'avais trouvé le... Je vais me débarrasser des brindilles. Si tu veux, j'en ai plein. Hein. Ah, ici, il y a un truc. Ouais. Ah. Ouvrir. Ah, la potion du déchu, je prends. La popo de mana, je te la laisse. Ouf. Ça a couché. Ah! Attends. Est-ce que je le shoot de là? Ah oui, bien eu. Faites pitié pour les mobs. Ils sont cons, ils sont cons. Hein. Là, je gâche plus de... Faut que je prenne la gratuite. Fini. Par contre, je vais descendre quand même parce qu'il y a des, points de respawn. Ok. Je repasse sur boule de feu. Je viens de me faire tout shot. Oups, j'ai mal. Donc tu vas pas être bien là. Il y a un peu beaucoup de monde. Rendez-moi des PV. Rendez-moi des PV. Où tes points de vie font. Bon. Mais à chaque fois que je tapais, en fait, l'épée, elle est vachement bien. Parce qu'en fait, c'est pas 5% de chance, non, c'est 5% des dégâts que je fais, c'est du vol de vie. Ouais, c'est plus simple, ils sont arrivés sur moi, les mobs, il y en a un qui m'a donné un coup, j'ai rien eu le temps de faire, le deuxième m'a donné un coup, je suis mort. Alors. Bah c'est pas grave. On va prendre les capsules de caca crâne, on va les lancer en bas. Oui, je les ai préparées en plus. Ben sinon, faudrait que j'essaye la pluie d'os là, pour voir. Vu qu'il y a beaucoup de mobs. Ouais, tu veux dire les eaux téléguidées? Ouais. Vu que j'en ai eu pas mal. Autant les utiliser ceux-là. Mais là il y a un petit peu beaucoup de mobs. Je pense que là c'est vraiment un donjon qu'il faudrait qu'on soit plus. Ah c'est... Je sais pas. Ça. Ça a l'air d'être à toi, non? Quoique peu importe, on s'en fout. C'est à moi. C'est pourquoi? Parce que j'ai du minerai de cuivre. C'est le mien, celui-là. Attends, on va lancer les trucs en bas. Ok, le mine, il est là-bas. Non, attends, je vais essayer de faire... Ah, j'en ai balancé 5, hein. Et je descends. Alors, je peux pas... Oh putain, j'ai eu lui dans le direct.
Ok, il y a ma petite armée de copains là. On fait un peu le ménage. Vas-y, groupe lire. Je vais en profiter tant qu'ils n'ont pas popé pour défoncer. Ouais, vas-y, vas-y. Attention, t'as un... Le Tomahawk est très bien pour défoncer l'ennemi. Hein. J'ai mon armée d'invocation. J'en ai invoqué 5. Ah là, d'un coup, c'est mieux passé. Bon, là, ils sont en train de tous disparaître, mais c'est mieux passé. Alors, déjà, une petite baie. Hop. C'est des grands sadiques, quand même. En plus, il y a une porte juste là. Et quoi derrière? Et quoi là-dedans? Alors, il y a des flèches et il y a un conduit de soin pour toi. Ah, mais attends, ils sont encore là, Manfred et Manfred? Et non. Bien, ceux-là. Permet. Oh, attends, ça c'est... Oui, regarde, voilà, c'est ça, quand il y a un bouton comme ça, c'est un passage secret. Hein? Y'a quoi? Oh, une baguette. 26 ouais. De dégâts, ah, c'est la même que l'autre, et... Baguette d'épines de sapin, ça donne encore une arme à deux mains, ça. Ouais. Et la gueule du truc, bon, je la prends, tu vois, et arme à une main ou arme à deux mains? Ouais. Oh, tu dois bien taper de zone avec ça. Ouais, bah comme avec les haches, c'est pareil, t'as le même moveset. Hein. Et hop, détruit. C'est un gros canado. La baguette, elle est où? Elle est là. Elle est bleue. Baguette d'épine du serpent 26, ah bah elle est mieux que celle que j'ai. Donc on prend. On va démanteler celle-là. Garde celle de glace. Ok. Un copain qui est venu, qui veut venir jouer. Ah mais en plus c'est un nécro. Merci pour les loots. Il y a l'autre côté aussi, il y a les deux côtés, je pense, ouais, de toute façon. Y a les deux. De toute façon, allez go, on fout par là, on verra pour l'autre après. Bon, ici c'est un chemin sans retour. Les âmes, débrouille-toi. À peu près. Ouf, il a l'air d'être bien géant, celui-là, de donjon. Il a surtout l'air labyrinthique. Bon, ça va. Pour le moment... Oh là là! Quand c'est des squelettes, ça va. Ah! Rendez-moi des PV! Ah, j'ai pop un copain. Bah, bon sang de bonsoir, c'était PV. Oh, attends, il y a un truc là. Écoutez mon plan, frère. Et tu sais que... Oh, lustre de la crypte, collectionneur et autres. C'est des crafts. Et par semaine d'XP, tiens. Une chopée. Et par chemin d'XP. Oh, j'en ai eu deux. Bah tiens, je t'en passe un. Ah bah, bien volontiers. Ah, écoute, j'en ai eu deux. Autant t'en passer, hein. Ça fait gagner un peu d'XP à tous les deux. Et puis voilà. Alors, ramasser. Et regarde, s'asseoir. Oui, non, mais ça, je me doute. Ça, c'est une chaise. C'est normal. Il reste des gens ici. Tu vas t'en occuper. Copain a disparu.
c'est génial leur nouveau système de loot, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ouais, alors par contre les boulons, ça se jette. C'est quoi les boulons? Oui, les sorts de glace, oui, tu peux, oui. On est déjà 150 à la base et moi j'ai les versions éternelles donc. C'est ça, t'as la version éternelle. Vivement que je trouve les versions éternelles des autres. Hein. Je suppose qu'ils ont dû le faire. Au moins les versions 1. Oh, ah non. Un arc et encore une. Oh, une baguette infernale bien. Pas mal. Ça me fera au cas où j'ai plus de baguette de feu, parce que là le feu marche bien. J'ai la baguette brûlante et là j'ai chopé une baguette infernale. Et sinon il y avait j'ai chopé un arc tout pourrave. Ah quoique niveau 15, mais bon il fait que 17 de dégâts. Donc Osef. Ah oula. Oh van Dieu. Il y a 10 runes à trouver. Non. Sérieux. Il y a du mob à buter, beaucoup. Ouais, bah déjà il y en a deux devant, là-bas en face. Là-bas. Là oui, non, mais j'ai vu. Il y a des trucs à looter. C'est ça, tout ça. Oh, j'ai protégé. C'est quoi ce délire? Ah, il me faut. Ah, bah, je suis mort. Je me suis pris 4 rafales de givre, j'ai rien pu faire. Attends, je l'ai. J'essaie d'en avoir le moins possible sur le dos. Ok, j'en ai miné un. J'en ai miné deux. Ah, merci pour le level 16. M'en fous de tes invoques. Ok. Pour ramasser hein, au passage. Fais ta plaise hein. Ah, j'ai pas eu de bol, je me suis retrouvé au milieu, ils ont fait magie et ta vie n'a plus de crédit. T'inquiète, je connais ça. Moi c'est j'ai la même version mais regarde, prends ta claque. Aïe, j'ai mal. Ah ben mort. Bon, merci. Mais les boules de feu, elles font le taf quand même hein. Putain, les dégâts que je leur mets. Ah, attention. Bon bah. Oh putain, deuxième faux. Ah, je prends quand même des 100 dégâts hein, magiques, ok. Tu peux tanker les faux, je m'occupe des mages. Il te veut toi. Wow. Ah, il m'a loupé. Moins d'une. Ah, le deuxième est sur ma gueule, mais il est, comme il est un peu con, ça va. J'arrive. C'est bon, je l'ai tué, c'est bon. Moi, j'ai la tactique de je tape, je recule, je tape, je recule. Ça marche bien. Contre eux. Que j'ai des popos, putain j'ai plus de popos. Dès qu'il nous en reste plus qu'une, ça, en fait faut juste buter les mobs. Il doit rester un mob à buter. Eh ben il est là, à mon avis. Ça va, ce n'est pas compliqué celui-là pour voir les runes. The door is open. Ok, j'ai eu des cannelles d'os. Il va falloir vite bientôt réparer les. Je pense qu'à mon avis, on doit être pas loin d'un. Oh, il y a un bouton. Un bouton. Un button. Where is the button? Juste en face. Ah oui. There is the button. Alors comment dire? Il n'y a pas d'escalier. Bah c'est un no-retour.
Après, il restait l'escalier de l'autre côté, hein. Mais à mon avis, il, nous fait, il doit nous faire arriver de ce côté-là. De l'autre côté, en face. Ah, là-bas, tu veux dire? Ouais. Parce que là, il y a des chemins... il y a plein d'œufs de spawn, non? Quoique, est-ce que c'est pas la salle de départ? Si, c'est la salle de départ. C'est la grande salle de départ. Et à mon avis, il va falloir faire de l'autre côté pour l'autre bouton. Alors attends, je vais juste tester un truc. Ouais, c'est ça, il y a un bouton sur deux qui est allumé là-bas. Hé hey, Rayek, regarde ouais. Où je suis. Bah vas-y, fais le bouton. Alors il doit être en face, l'autre bouton. Ah non, mais l'autre bouton, je peux, oui, pas, il est je là. Peux pas l'atteindre. Il est là, à mon avis. J'ai pas vu le trao. Ah oh. Où tu sors, toi? Il devait être d'en haut, lui, non? Il a pas tombé de là-haut? Je sais pas comment il a pu... Non, comment c'est... je monte, moi, là? J'ai pas le double saut, moi. Moi, je monte par là, peut-être. Ouais. C'est bon, il y avait un chemin. Par contre, il y a un truc pour réparer ou pas, dans le coin? Mis à part mourir, non? Ah, mais même mourir, ça répare pas, quoi. Bah si, puisque ça te ramène à la zone de... Ça te ramène à la zone de spawn où il y a le truc pour réparer. Bichour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y en a une là? Non, même pas, encore. Bah faudra que tu fasses. Faut que tu aies 50 armes sur toi, comme moi. Des caillouches, des brandy. Encore que le fait de switcher, d'utiliser le tomahawk. Je viens contre, de voir là, des flammes. Des... Ouais, oh, ouh. Le piège de flammes. Oh, des bouboules de flammes. Ouais, tu passes comment? Faut sauter par-dessus. Est-ce qu'on peut sauter bien par-dessus? Ouais, tu peux, mais moi le double saut, j'ai pas. Voir si je peux sauter par-dessus. Non, à mon avis, moi, je me les prends. Hein. T'as pas moyen d'arrêter le piège? Justement, c'est ce que je suis en train de voir, s'il y a un truc qui permet... Parce que là, il y a un problème, là. C'est qu'il y en a tout le temps. Ouais, est-ce qu'avec le bouclier... Alors, j'en teste une. Alors, attends. Il y a... Je crois que c'est juste un truc où, pour ramasser, il y a rien derrière. Il y a rien? Ah, si. Et en fait, il va falloir que tu rushes et t'as un crochet pour se, pour se balancer. Je le vois pas. Ah, attends, en haut. C'est bon, c'est bon, on peut sauter, j'arrive à sauter. Non, mais au-dessus de ta tête, regarde, il y a un crochet. Je l'avais pas vu, mais ça va, j'ai tenté le... Je saute au-dessus et c'est bon. Alors là, on a... De quoi grimper ici. De quoi grimpouiller. Oh non. C'est la suite, en fait. Bah oui. Bah oui. Pourquoi c'est... Le truc que tu voyais, c'est la suite. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais que ça, ce qu'il y a là, oui, c'était pour esquiver les bouboules. Mais non, c'est la suite, là. Alors par contre, il faut qu'on y aille l'un après l'autre, parce que sinon, il y en a un qui va tomber. Vas-y. Je te laisse faire. Ouah ! Ok, réagis bien, il faut refaire un coup de grappin après. Loupé. Je pense... Ah ! Loupé. Pas grave. Je récupère mon endurance parce que mon endurance est un peu basse là. Donc j'arrivais pas à arriver à grimper. Pardon. Ouais, parce qu'il faut sauter d'abord un peu loin. Mais faut que je remonte mon endurance, sinon ça va pas faire. Comme ça bouffe de l'endurance à chaque fois. Bon bah tiens, je vais mettre les... Non. Ok. Oh, il y a des copains à toi. Ah, et des chauves-souris. C'est bien, elles vont attaquer des squelettes pour nous.
Donc cette fois-ci, je vais pas les attaquer. On va faire. Ah bah le bouton est là. On a vu c'était juste une zone avec des pièges et pas de mobs. C'était juste une zone à pièges. Mmh. Oh, à mon avis, on peut rentrer là-dedans. Toi, tu dois pouvoir rentrer là-dedans. Il y avait un trou sur le dessus. Ah, pardon, il y a des copains. J'ai rien dit. Il y a du monde. Aïe. Ok, j'ai un copain pour m'aider. J'ai deux copains pour m'aider. Le chien, il a pas pris, il a pris des tarifs. Et en plus, les squelettes, ils balancent des... Oh, encore un. Les squelettes balancent des attaques de feu, en plus. Ouais, ouais. C'est bien pratique. Bah oui. Oh. Il y a encore du monde là-haut. Des flèches en cuivre, je prends. Ah, on peut rentrer dans celui-là. Oh, attends. Ah ouais, on dirait qu'on peut rentrer par là-haut. Oui, oui, mais c'est pas... On peut. J'ai vu le trou en planant. Mais moi, je peux pas y arriver. J'ai pas le double saut et le truc que t'as, toi. À moins qu'on puisse casser la vitre. Hein. C'est peut-être ça aussi. Ah ben non, on peut rentrer là. Mais non, là on peut, mais après il y a au-dessus. Ouais, non, mais je pense qu'à mon avis au-dessus c'est tu tombais et puis c'est tout. Tu pouvais pas, ça te faisait tomber ici. Ouais, mais regarde, on dirait qu'il y a des coffres là. T'as vu? Au niveau des grilles. On dirait qu'il y a des coffres devant. Bon là, je ne serais pas. J'en serais pas certain. C'est pas grave. C'est bien pour ça que j'ai utilisé le on dirait. Là, il faut qu'on trouve de quoi réparer. Enfin bon, moi ça va, j'ai encore 3 baguettes, donc ça va, non. Mais... J'avoue que ça va aussi, le fait... Ah bah tiens, regarde, on a une zone de réparation juste là. Où est-ce qu'elle est la table? Où est-ce qu'elle est la table de réparation? Ou pas, là, ici. Là. Alors, on fait... On pète tout, on pète tout, on casse tout. Nous sommes chez Brise de tout. Ah bah tant qu'à faire, hop, le temps que... Ah tiens, il n'y avait pas besoin de la clé cette fois-ci. Mais c'était pas une grosse porte? Avec le bar? Elle était avec des barres? Mais non, en fait, elle avait pas de barre celle-là. Donc c'est celles qui ont des barres en fait, où t'as besoin du... Ouais. Ah. Parce que pour moi, une arme, un de durabilité, c'est un de durabilité. Bah, disons que moi, j'utilise ça que pour casser les pots, donc je m'en fous si elle n'est pas réparée tout de suite. Un passage secret. Un petit parchemin de la prière de flamme et... Et le coffre est placé à l'envers parce qu'il s'est ouvert de l'autre côté. Oui. Ah non, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Tiens, cadeau. Ici. Tiens, d'ailleurs, je vais en réutiliser un. Ah, grande potion de soin, oui. Ah, mais ça, j'en ai plein des grandes potions de soin. Je peux t'en passer, j'en ai quatre là. Et je vais les garder de côté. Ça, manger. Ça, manger. Moi j'ai 6 petites ça, là, donc ça va. Et toi, meurs. Voilà. Ah oui, 5 grandes popos de soin. Ah, merci. Attends, tiens, j'ai ça aussi pour toi. Non, non, pas divisé. Voilà. Mais... Hop, j'ai attends, fait des brindilles. Tiens. Je les mets. Tiens. je te refile en flèche. Ah ouais, non, là. Donner 30 flèches à peu près, ça devrait aller. Ouais, ça fait du bien. Ah, tiens, j'en retrouve encore.
Blablabla. Agadou, agadou. Ah, tiens, il y a encore une... Oh, ça va être chiant, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait... Moi, tu dois les one-shot, normalement. Moi, je les... Tu les one-shot pas? Attends, attends, laisse-les-moi. Hein. Moi, je les one-shot. Hein. Et c'est parce que je tire à la flèche en bois. C'est la plus faible que j'ai. On va pouvoir passer par là. C'est là. C'est la plus. Pas mal passer par ici. Ouh, je viens de voir que là. J'ai ma bouffe qui est en bas. Meurs la liche. Aïe. Ah ouais, même avec le bouclier, tu prends, quoi. Oui, parce que c'est de la magie, en fait, ça passe au travers. C'est dégueulasse. Remboursé. Oh, une grosse popo. J'ai vu. De quoi? Attends, ah, je l'ai ramassé. Faire... Ah, attends, ramassé. Je vais juste faire ça. Il m'a donné quoi? Des boulons de glace jetés. On est en train de se faire tirer dessus. Ah non, c'est les... Oh, une fleur. Bah, les crânes, vous voulez pas les attaquer, la fleur? Elle est trop loin. Oh, le 199 dans sa mouille. Ah, je dosse, est-ce que je touche les deux? Ah ouais, je touche les deux. Boum, boum. Alors, flèche de silex, j'en ai que 3, ça fera... Hop là. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Ça a pas l'air. On va reprendre de la bouffe. Attention, quand tu vas monter, il y en a d'autres des fleurs à l'arrivée. Par là? Gaffe, tes crânes vont se faire défoncer. C'est pas grave, ils sont là pour ça. Ah mais non, ah. Ils sont bien quand il y a beaucoup de monde. Et il est sympa celui-là de donjon. Il y a encore des fleurs, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Je vais aller faire celle-là là-haut. Fais gaffe, t'en as deux autres. Merde, j'ai plus de mana. Viens, je vais prendre une popo. Envie d'attendre. Oh merde, il y en a encore une derrière. Ça va, elle aime pas le... Elle aime pas être dans les flammes. D'accord, sac à poison, elle. Ouais. Oups. D'ailleurs, j'en ai un sur la tête. Ah, ça par contre, c'est une clé, ça. Ouais. Ah, c'est une très bonne idée, ces donjons qu'ils ont fait. Après, le style est un peu le même pour le moment, mais je pense que c'est peut-être les deux premiers, c'est peut-être pour ça aussi. C'est lié, tu sais, à l'autre, donc c'est peut-être pour ça. Ah, une ruine en face. Il y en a une là-bas, dans les airs. Il y a de quoi remonter ici. U. Ouais, t'en as une là-bas dans les airs. Il y a de la fleur partout. Attends, je m'en occupe des fleurs. Et une de moins. Attends que le mana arrive. Oh oui, non, mais il y en a deux partout, des fleurs. Bon, tu arrives à l'avoir, tu l'as eu. GG. J'en vois un en face. Ah, il y a des rats. Bon, ça va, les rats. Ça devrait aller, non? Oui. Ça se one-shot.
Bon sang de bonsoir de rat. Ok, j'ai déjà défoncé deux plantes. Ah, c'est con, hein, hein. C'est moi qui te shoot à distance sans pouvoir toucher. Hein. Hein, sale plante, va. Voilà. Trois plantes de moins. Nettoyeur et plante. J'ai vu qu'il y en avait par là. On sort, il faut l'appeler le Roundup. Roundup. Ah, c'est toi qui es en train de te faire agresser là? Non, il y a les plantes non, qui non, sont non. excitées sur quelque chose. Ou bah, elles se sont peut-être excitées sur des rats. Hein. Ou bien okay. ce qu'elles veulent. Je casse gaffe avec le sort parce que à chaque fois il me fait avancer un peu. Ah. Un peu près là. Non, je sais pas. Là, elles sont où les prochaines runes? Ah ouais, d'accord, en fait elles sont encore. T'en as une qui est en face de d'où j'ai tué les là-bas là. Ouais, mais le seul problème c'est que je ne vois pas comment je peux y monter. Oups. Je suis descendu. Tu peux remonter, t'as un crochet. Ouais, non mais je m'en fous, je vais me la taper comme ça, ça va aller plus vite. Voilà. Eh mais les rats, ils sont pas alliés avec toi? Non. C'est bizarre, c'est un animal. Ouais, non, non, appelle pas tes copains. Oh merde. Eh mais aïe 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 aïe. Bon, j'en ai tué plein des rats, mais aïe 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 aïe. J'ai eu mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je me régène un peu. Hein. Putain, le rat qui donne 170 XP, ça va quoi. C'est un rat de compète. Bah c'est des rats niveau 18 quoi. Bon, grâce à la petite compétence que j'ai en plus pour pouvoir regagner de la hauteur avec le glider, ça m'a permis de traverser. Oh, de la viande de rat. Eh, mais ils arrivent à l'infini ou quoi, les rats? Non, non, c'est juste qu'il y en a masse. Oui, je vois ça. Il y en a un derrière toi. Oui, oui. Parce que je crois qu'il y a un truc par là. Il y a un chemin par où je suis là. Oui, par où t'es là-bas. Attends, il y a, je crois qu'il y a un. Il y a. Un hydra. Là. Ah, c'est pour ça que j'en prenais plein la gueule. Vous arrêtez pas de venir. Putain, mais. Oui, ils sont vénères, hein, ils te. Non, non, mais c'est surtout qu'ils sont petits et le terrain est accidenté. C'est ça le Nidra? Ok. Ouais, je crois que c'est ça les putains de Nidra là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attends. Là, c'est pas un truc qui invoque les squelettes, ça? Non. J'ai cru. Quoique. Attention, t'as des rats qui arrivent. J'en doute. Juste derrière toi. Ouais, c'était un. C'est pas la mort. Donc tu voulais qu'on aille voir, on va aller voir là-bas. Ouais, non, mais a priori, il y a un truc, là. J'ai récupéré plein de cuisses au drap. Il est là, le Nidra. Mais par contre, il y avait un truc intéressant. Il y avait quoi d'intéressant? Une ruine. D'accord. Il reste combien à récupérer? Parce que sinon, il y en a une... Et elles sont mortes, les plantes. Ah. Les plantes, elles sont revenues, entre guillemets, à la vie. Elles sont mortes. Elles ont fait l'animation, elles ont refait l'animation de mort de loin. Est-ce qu'il y en a une en face de rune, là-bas? Rat derrière toi, il y en a pas qu'un peu.
Saloperie de rave. Alors, je vois qu'il y a une rune au centre. Là-bas ? Là ? Juste là-bas ? Ouais, mais... regarde là en face. Hein. Ouais, ouais. Mais à mon avis, il y a beaucoup de... Et il nous en manquerait... Encore quelques-unes, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il en manque entre 4 ou 5. Il en manque 4, en fait. Ouh, j'arrive pas à l'atteindre, de là. Ouais, non, t'es... C'est bon, là. Encore un peu plus haut. Non, là, c'est bon. Baliste magique. Ouh, le 199 qu'il a pas aimé. Et il est mort. Il y en a partout. Oh, les rats, cassez-vous! C'était quoi cette attaque que je viens de faire, là? J'ai fait un plongé, là, d'attaque, c'était bizarre. Ah bon, on aura du cuisseau à faire cuire. Hein. Il y a une plante là. À mon avis, sur le chemin là-bas, il doit avoir une rune aussi. On a une là, là. Attention, chonk, si, chonk. Ah, putain de rat, mais... Ouais, ouais, ils sont casse-bonbons. Hein. Ma fleur. Oh, casse-bonbons. J'y allais au corps à corps sur les fleurs. Ça fait tout droit. C'est quoi ça? C'est... Ah oui, c'est bien un trou. Et je sors comment là? Ah! Si, c'est bon. Pas la jaune chiante du tout. Alors j'ai récupéré celle au centre de rune. Ok. T'es en train de me diriger par là-bas, moi, par l'autre côté. Ah bah tu vas me rejoindre si tu continues par là, mais fais gaffe, il y a une plante. Ouais. Je vais aller là. Non, non, t'inquiète. La latte. Elles aiment pas les flammes. Alors, oh, c'est quoi ça là-bas? C'est quoi? Bah va voir, moi je vais voir par là. Ah, oh, oh, un coffre. Je vérifie au cas où. Oh, une épée de fer perforatrice. Oh, un bâton du croissant sinistre. Oh, ça c'est bien, c'est pour moi celui-là. Et j'ai récupéré des flèches pour toi encore. Encore et puis récupérer une grande popo. C'est tellement intéressant de taper dans ces pots. C'est dingue tout ce que tu récupères. Plus, Fofol. Faudrait que tu le prennes, le jeu, que tu viennes jouer avec nous. Bon, allez. Au milieu de toutes ces araignées, il y avait une rune. Ok. Bah, moi, j'ai trouvé un coffre, j'ai trouvé une arme pour toi, encore. Ah, cool. Et j'ai trouvé un bâton pour moi aussi, hein, je pense. Il est où? Il est là. Un bâton violet. Bâton du croissant sinistre, il est à 32. Le mien est à 37, mais l'autre il est à 32, pas boosté et il est violé. C'est bien ça. Ah, celui-là, ouais, je vais le garder. Après, l'autre, l'épée de fer perforatrice, elle est grise, donc je pense qu'elle va pas t'intéresser. Hop là, je suis là. Parler dans le vide. Elle est grise, l'épée perforatrice, je pense que tu vas pas la vouloir. Bon. 32 de dégâts. Si tu me dis non, je la désosse. Hein. Non, non, tu peux y aller. Ok, tiens, je te donne ça. Ouais, des flèches. J'ai failli me planter. Un pour toi. Ça comme... Oh, un truc d'XP, tiens. J'ai même pas vu que j'avais chopé un parchemin d'XP. Là, j'en avais chopé un. Tiens, aussi. Pour toi. Des popos de soin. Oui, ça c'est bon. Ah ça. Non, mais je sais pas, moi j'ai tendance à bien tomber dessus. Il nous en reste combien là? Il va falloir en trouver encore des trucs, non? La visibilité là? Là? Alors là, sur la. Là en face par là, c'était la caverne aux araignées, il y en avait une dedans. De runes.
Là, il y a... Là, il y a un rat. Il y a de la fleur là-bas aussi. Il y avait un rat. Oh, le rat qui vient de se prendre un 160 de... avec la baguette de feu. Je leur mets des 220. 218, 220. Qu'elle a pas aimé. Ça va plus vite qu'avec la baguette. La fouillax par là, je suppose. Après, la porte. Non, ça nous a pas dit que la porte était ouverte. Non, non, non. Il n'y a pas eu le message comme quoi elle était ouverte. Ah, attends. Ah, d'accord, ok. Pour monter, on n'était pas obligé de s'embêter. Il y a un truc ici. Attends, où est-ce que il y en a? Rup, rabbit, la grenouille. Rup, rup. Alors attends, là-bas il y a la porte. Ah, ah oh, non, ça va. Pas sûr que je puisse grimper par là, non. On n'en voit pas des runes. Il là. En manque deux. Ah, elle serait où? Alors, je suis du côté de la porte. Ah, il n'y aurait pas une. Alors, je viens de faire tout le côté là où il y a la porte pour y arriver. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y en aurait pas là-dedans. Là. Si, il y en avait une. D'accord. Je les récupère. Oh, attends. Là-bas où il y avait les rats à la base. Parce que si ça se trouve, on n'a pas fait les quatre côtés. Tiens, regarde, là, il y a les chauves-souris. Là, il y a des chauves-souris. Bonjour, les chauves-souris. Gentil, les chauves-souris. Mais soyez pas. Mignonne, soyez mignonne, il y en a une là. Voilà. Oui, vous êtes mignonne les chefs-souris. Oui, mignonne. Bien, tant que vous m'agressez pas, moi ça me va. Hop, aïe. Et eh ben voilà, fallait voler. Ah bon. Zut, j'ai rangé mes fraises. T'as rangé tes fraises. Tu veux j'en ai des fraises. J'en ai. Mais de toute façon, j'ai plus d'emplacement pour. D'accord, mais sinon je peux t'en passer. Moi j'ai encore de la place. Hein. Ben, passe-moi les cuisseaux, passe-moi les. Non, en fait c'est que j'ai plus d'emplacement de miam. C'est que j'ai 3 emplacements de miam, ils sont tous pris. D'ailleurs, moi j'ai quoi qu'il n'y a plus en miam? Ah, il me reste l'eau. Hop. Je vais remettre un coup de flotte. Donc il doit rester en face ici. Ouais, je pense. Non, moi je saute pas assez haut. Là je peux. Ouais, j'arrête de ramasser des cuisseaux, on en a eu plein. Ça suffira. hop. Bah si, on l'a fait celui-là, non? Ah non, peut-être pas. Pas ce côté. Si, celui-là on l'a fait. Si, donc. Celui-là c'était le truc à rat. Donc on a fait celui-là là, on a fait celui-là en face. Oh, s'il y a un truc tout en haut. Je sais pas, on peut grimper. Ah ouais, on peut faire Tarzan là. Ouais, tu peux faire Zarpin la banane pour passer en face. Oh, yep là.
Le double saut, j'aurais pas dit non, mais là, à mon avis, je passe pas. Non, mais en saut classique, tu passes. Ok. Je rappelle que moi, il est distance. Non. Oui, non, non, mais c'est. Ah, bah, plutôt qu'on aurait pu monter par là, il y a des crochets. Ouais, il y a des crochets juste là. Je vais... On va ouvrir ici. Oh tiens, il y a un pare-chaud pour toi là. Je crois que ça doit être un pare-chaud de l'autre. Oui. Ah mais ils l'ont calé où? Sérieux? Va savoir. Ah mais attends. Il y en a plusieurs des trucs. Est-ce que tu les as tous faits? De quoi? Des trucs à l'intérieur là. Et là on peut aller en face. Ouais, pareil. Ah, c'est... Ah, attends, quoique... Celle-là, là au centre, on l'a fait ou pas? Laquelle? Là, au centre, la porte. Je suis pas sûr. Ouais, il y a le coffre. Ah! Tu paries qu'il y a un truc pour grimper? Non, même pas. L'important, non, non, je l'ai ouvert. Je l'ai fait, il y avait un coffre, mais il n'y a rien pour grimper. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage secret. Alors, est-ce qu'il y en a un en mode miroir ici? Boing, 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 boing. Encore les rats qui gueulent. Allez, venez. Voilà. Ça s'est plié, vilain rat. Ah, 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 trouvé! Il était où? Il était là-bas? C'est, on l'avait pas fait là? Ok. En face, il y avait un autre, il y avait un autre nid de rat. Voilà. Yes. Ah, il était bien chiant celui-là. Voilà. Mais donc c'était bien ça, c'était il y avait un truc en miroir qui continuait la dernière. Vers le bas. Oups. Ah. Le Tarzan a loupé. Je suis pas allé assez loin et j'ai pas eu le réflexe. Attends, quoique. Ah, je crois pas qu'il y ait de... d'accroche. Ben non, pour le retour, il n'y a pas d'accroche. Comment on monte? Comme moi, je, par exemple, j'ai pas le double saut, donc je monte comment? Là, je passe pas. Ah si, regarde. Je pense que sur celle-là, tu peux la choper. Regarde, au centre, sur celle-là. Ah, là-bas, donc, oui, peut-être, ouais. Donc il faudrait que tu passes par par celle-là. Normalement, je crois qu'ici il y a un accès qu'on peut choper. Ouais, là, on peut le choper ici. Et là après tu fais couper. C'est pas grave. Alors, en jump normal, je pense qu'il va falloir que tu ouvres le, que tu ouvres ton truc. En double jump, je pense que je le passe, mais toi, il va falloir, je pense, que tu ouvres sur la fin le glider. Attends, je récupère toute mon endurance. Attends, j'ai plus rien pour la bouffe, c'est vrai que j'ai tout perdu. Et bon. Il y a ce passé. Ben, le pire, c'est qu'autant, on n'a pas fini encore le donjon.
Ah bah tiens, il y a un sort. Un conduit. Ok. Conduit de vie. Ah ben une zone pour réparer. Ouais. Le problème c'est qu'il commence à se faire tard. On va faire encore un peu, mais je pense qu'on va pas arriver à finir. Il était plus long mais celui-là. Mais ils sont longs ces foutus. Ah oui, bah là celui-là en plus t'as vu combien il fallait récupérer de runes. Un petit peu long. Ouais, bah ils sont pas foutus de nous sur cette mise à jour. Hein. Nous éclaire et je pense qu'il y en a plus que ça. Hein. Parce que là c'est vraiment que ceux de base. Et puis je pense qu'ils ont fait exprès de mettre beaucoup de ressources. Je pense que si on est plus, il y a plus de personnes, il doit sûrement avoir plus de bébêtes. Sinon, si on est plus et qu'il y a autant de bébêtes, je pense que le jeu sera trop facile. Ah, ces donjons. Oh. Oh. Ça aurait pu, hein, être un de passage secret, mais... Bah, mais t'approches, non. Là, tu fais... Oh, on dirait un passage secret. Bah, non. Mais limite comme si ça ressemblait à des portes. Ah, attends, il y a des nids de... Il y a des nids de pop squelettes, hein. Ok, attends, je vais voir si je peux pas les shooter à distance. Alors je ne sais pas, mais moi j'appelle des potes. Par contre, il faudrait que je sorte le tomahawk. Allez, boule de feu normale, j'en ai quasiment plus. Donc ça va être chaud. Je me fais coincer, là, ça va être chaud. Aïe. Alors par contre, vu ce que... Ah putain. Alors par contre, je vais réparer parce que je l'ai pété à la moitié. Hein. Déjà. Déjà. Ah ben en même temps, le problème, c'est que vu que ça tape en AOE, ça tape, ouais, aussi le décor. Oui, donc tu dois prendre plus... ça prend plus cher, ouais. Imagine bien. Bon, par contre, avec 12 grosses popos, je me sens un peu plus safe. Ouf. Merde. J'en ai pas, mais j'ai des flèches. Beaucoup. Et tu vas pouvoir t'en débarrasser, je suis juste à côté de toi. Oui, j'ai vu. Ah bah tiens, tant qu'à faire. Ah, t'es trop loin. Open the door. Oh, dis-moi que c'est la fin. Oh, shit. Ouais. Dommage. Des armes encore. Encore des armes de corps à corps. Et pas ce qu'on veut en fait. Pas tout ça. Après on aura pris pas mal d'XP. L'arc de Désos. La mage à Désos. Alors par contre on n'a pas le. On n'a pas le TP de on a fini le donjon là. Non, mais parce qu'il y a encore une autre salle. Il y a un truc en face. On a fait qu'un côté là. Ah. On a fait qu'une demi. C'est ça. Soit on a fait que la moitié du donjon. La dernière fois, on l'avait vu. Ouais, j'ai vu qu'il y a plein de...
Ah bah des flèches, une grosse popo. Ce sera pour toi. Ah bah attends, moi j'ai des pare-chauds d'invoque pour toi. Attends. Enfin des pare-chauds de prière. Celui-là, tu m'en as donné un paquet. Peut-être en utiliser. On va attendre, voir si on tombe sur une salle. Ouais, il y a des mobs en face là. Moi, ma mana. Vire le klebs. Non, tu restes là et tu donnes. C'est bon, il ne reste plus qu'un. J'arrive pour les points de vie. Ça va te redonner du PV. Oh ouais. Bonjour, ouvrez la porte. D'ailleurs... Il nous fait une Dark Soul avec le bouclier devant. Non, c'est bon. Tu vois que le donjon était pas fini. Oula! Non, c'est bonjour glissade. Qu'on a toujours pas trouvé le truc de, le, de l'autre. Finir, ouais, ah ouais, et puis faut esquiver les. Ah, il y a des araignées. Oh, oh la vache, oh la vache. Wow, wow, wow. Oh, putain, l'araignée qui me bloquait. Oh, les sadiques. On t'aura des morceaux de monstre. Ouais. Heureusement qu'il y avait la régène PV, hein, parce qu'on prend des dégâts dans le truc vert. Hein. Ouais, ouais, bah. Moi, j'ai régène sur les araignées qui m'ont attendu en bas. Moi, ça va, c'est ma régène naturelle. La suite. Moi, c'est vive le vol de vie. Mais la suite, elle est où? On va trouver. Bonjour, vous êtes tombé dans le trou. Bah, c'est l'impression que ça donne. Si, là. Ah. Oh, il y a des araignées qui vont me... J'aurai assez d'endurance. Ah ouais, non, t'as un petit coin pour te reposer. Et c'était pile poil Just quand tu me l'as montré. Aussi. Eh ben, toi qui disais que le donjon il était fini. Bon, tu vois, on va voir des copains chauve-souris, mais faut que tu viennes vite. Oh putain, ils m'ont fait tomber. Ça va, je suis pas mort. Mais... Par contre. Ah non, ils sont agressives, même maintenant. Non, là elles sont agressives. Je pense que t'as dû en toucher une. Non, non, j'ai pas attaqué, j'ai mis. Ah! Je crois savoir peut-être. Parce que quand je bouclier, ils prennent 50% des dégâts qu'ils me mettent. Ok. C'est peut-être pour ça. Et j'ai mis le bouclier. C'est dommage parce qu'on aurait eu des alliés pour les. Par là. Attends, là par contre, s'il y a quoi par là? Ben, on va se retaper une petite glissade. On va essayer de rester groupir. J'ai de l'araignée qui dit bonjour. Hein. J'ai bientôt level up. Là. Il me reste pas grand chose. Par là. Glissade, allez ensemble. Youi. Ok, les trous s'arrêtent, mais j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance, ça va être horrible. Ouais. Pareil, j'en avais plus. Oh, les sadiques avec les trous.
Ah, enfin, mais on n'a pas fini, hein. Toi, tu pensais qu'on avait terminé? Ben non. Ah, bah, j'espérais. D'habitude, je colle les trucs, mais là... là, on a fait la moitié, je pense. Il y a du monde, là, en face. Oh, je sens qu'on va... Ah, là, ça arrive. Ah bah voilà, level up. Ah quoi que j'ai peut-être pas pris le truc qui fait 50% de dégâts exprès parce que... Attends, ça me saoule. Voilà. Mais là, je pense que là, on doit pas être loin de la fin. Là, vu le truc, on s'est fait. Ah, copain. Ouais, des mobs. Ah, oh, la porte qui s'ouvre pour nous. Hop, peut-être non. Aïe. Oui. Aïe, ah, derrière. Bonjour. Ah, bonjour. R, R, R. Je les ai bien entamés. Ouais, et moi, je suis bien content d'avoir du vol de vie à chaque tir. Non ! Putain, mais pourquoi ça a pas pris ma popo ? J'ai appuyé ! Parce que pendant que t'es en train d'attaquer, ça marche pas. S'il y avait pas les chiens, ça irait. Oh putain, en plus, il y a le... Putain, et on va être loin, putain. Ah oui. Eh, je me suis retourné, j'ai voulu faire un TP, mais j'ai pas eu le temps. Et là, on va être loin, hein, j'ai l'impression. Oh oui. Bon, de toute façon, après, on n'aura plus les ennemis. Donc déjà, on peut tracer. Ouais. Attends, on reprend de bouffe. Ah putain, là par contre, ça c'est un truc qu'il va falloir se refaire parce que là la bouffe, moi. Oui, t'inquiète. Ben il m'en reste un peu, hein, mais pas beaucoup. Ben là il me reste 2 gigots. Il m'en reste 3. Il m'en reste 3, mais c'est les versions pas les plus grosses, quoi. Donc c'est par là. Enfin, avant de descendre, il faudra qu'on récupère notre endurance. Puis ça va, on a déjà tué une partie des mobs, donc ça devrait aller. Mais à un moment, j'ai balancé une boule au milieu et après j'avais 2 chiens sur le dos, j'arrivais pas à les flinguer. Je suis encore en fait, comme ça, c'est chaud. J'ai pas réussi à régénérer suffisamment de. Suffisamment de PV. On évite de se coincer. Hop. Putain, ça a touché quoi. Hop, sauter. Bonjour les araignées. Là, je passe. Pas grave, on continue. Ah non, les araignées sont derrière. Ouais, oui, il y en a quelques-unes, mais ça va. Bon, elles m'ont permis de régénérer mes PV. Moi, ça va, je régène tout seul. Je pense que moi, j'arrive pas tout en haut. Non plus. Non, j'ai des cuissots, si on peut faire du... qu'on s'appelle... J'utilise ça, ça me fera de la place. Allez, Allez, le miel. Continue de faire effet. On régène plus vite l'endurance. Bon, là, faut faire gaffe, il y a des traos. Je vais laisser passer mon tank. Je vais passer à boule de feu. Il me reste plus qu'une boule de feu niveau 1, donc vas-y. Okay. Je vais passer aux boules de feu niveau 2. Putain, ça veut pas, hein. Il y a un swing, gazou. Oh la vache fémeux. Oh, je suis en bas. Ouais, moi aussi. Juste mon endurance, qu'elle régène. Là, ça doit être moi. Ça doit être mon corps. Où ils sont passés les autres là, parce qu'il y avait plein de chiens.
Ouais, bah ça doit être là où il y avait... Oh tiens, il y a une faucheuse là-bas. Ouais, mais elle, j'avais réussi à la laisser loin. Allez, ça les a attirés. Allez, double... double boule de feu niveau 2, ils ont pas aimé. Putain! Prends-moi mes PV! J'ai plus d'endu. Par contre, je vais vraiment boire cette foutue protection contre la glace. Je vais peut-être en prendre une aussi. Là, il faudrait que je lance aussi, moi. Ça. Et ça. Et on va prendre. Après, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de mobs. On s'est pris la grosse vague. Des petites myrtilles séchées. Ouais, bah en fait, c'est quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un déferlement de. Ouais, mais il y en a quelques-uns qui m'ont attaqué de dos. Et c'est ça qui m'a fait mal. Toi, tu vas pas survivre, sale bête. Allez. Dis-nous que c'est la fin. Putain, bah non. Non, il y a un point de sauvegarde, donc c'est pas fini. Point de sauvegarde. À secours. Avec de quoi réparer. C'est une porte normale. Non, il n'y a pas de quoi réparer. Oh là 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 là. Il y a une grosse porte en face. On va tracer là, on va éviter de. Mob en face, je les vois. Et faire gaffe. Ah, ah ça. Ouais, puis en plus, ça nous bouffe le... ça bouffe l'endurance. Ouais, ça colle au basque. Là, non, attends, je vais essayer. De... Oh là, il y a plein de mobs là. Ouais, bah attends, regarde, il y en a. De toute façon, il y a un chien qui arrive là. Un peu au corps à corps. Je vais voir par là-bas. Attends, je vais voir si je peux les shooter d'ici. Je regarde juste s'il n'y a pas des machins qui les font pop. Bam. Ouh, le 320 qu'il a pris. Je crois qu'il a pas aimé. Ouh, le 520 qu'il vient de prendre. Ok, je les ai super bien entamés là. Je pense qu'ils ont pas aimé. De quoi? Ah oui, il va pas dans le... dans la saloperie. Ouais, je te dis pas, j'ai mis des 500 de dégâts. Ouais, j'ai entendu. C'était n'importe alors, quoi. Alors, par là-bas où il y a une porte, là-bas, il y a un truc qui descend. Ouais, mais on va prendre, à mon avis, la porte, parce que c'est une porte fermée, donc ça va être la suite. Et vu que j'ai éliminé la menace, une bonne partie de la menace à distance... Le seul truc, c'est que là, on pourra pas reculer. Je prépare mon sort de boule de feu. Ou attends, peut-être... canal du chaos, j'en ai un peu. Oh, ben non. Tu vas par là. Ah, y'a quoi? Oh, une baguette! Oh, une baguette crépitante! Bon, y'a un arc que je vais défausser. Ok, pour moi, tiens, prends... un truc pour invoquer. J'ai pris, il y avait un truc de soin. Fais voir la baguette crépitante, 32 de dégâts. Elle même fait 35, donc elle sera mieux. Donc je vais pouvoir virer une baguette. Je vais pouvoir virer la baguette. Ah, oh, j'ai la baguette infernale. Ah, magique de feu, c'est mieux. Ouais, donc celle-là, je peux la désosser. Je vais mettre celle-là à la place. Putain, les nonos, on en a récupéré tellement. Bon, là, à mon avis, donc l'autre zone, ça doit être la finale. J'espère. Oh, des flèches d'os. Cool, ça. Ah oui, tiens, j'ai quelques trucs pour toi. Là. Je vérifie. J'ai ça pour toi.
Popo, j'en ai 14, mais j'ai pas le temps de les utiliser, en fait. Même en les mettant dans la barre de raccourci? C'est pas ça. C'est que le temps que je lance mes sorts, c'est mort, en fait. C'est... s'ils sont au corps à corps, je peux plus lancer la... Je peux plus utiliser la baguette. Ah, tu peux plus utiliser le bâton, oui. Voilà, oui. Je peux plus utiliser mon bâton, je suis obligé de passer à la baguette, donc... Aïe. C'est que ça fait mal, cette merde. Ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de poison. Ouais. Oh, attention, ça arrive. Ah, j'ai plus de mana. Ouais, faucheuse. Putain, lâche cet aggro de merde. Bon, ça... C'est pas terrible le sort, mais bon, là, je l'utilise autant. Il attaque vite, quoi. C'est ça qui est pas mal. Je pense qu'il marchera mieux sur d'autres types de mobs. Je veux bien que tu t'occupes de l'autre qui est dans le poison. Parce que je peux pas y aller. Occupe-toi du chien qui est sur ma gueule. Non, je peux pas, putain. Ah, le chien, quand il m'a chargé, il m'a poussé dans le poison, quoi. Est-ce que je vais pouvoir te raise? Normalement, oui. Et là, tu fais vite une roulade. Non, parce que j'ai pas d'endurance, donc il faut que je saute. C'est pas grave, je te raise. Et... Satané. Bon, le sort canalisé, là, le canal d'os, c'est moyen. Mais, ouais, mais c'est pas dégueulasse. Dès que t'as une grosse... ouais, quand il y a beaucoup de mobs, quand il y a beaucoup de mobs, c'est pas mal. Puis c'est pas ça, c'est que dans le donjon, ils en donnent pas mal, donc... Bah tiens, en parlant de ça. Il y en a là. Mais j'ai mon mana qui descend à une vitesse. Bon bah ça, hop. On reprend la bouffe. Il me reste plus qu'un seul de gigot. Il n'y a pas l'air d'avoir de mob. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas qu'on peut ouvrir. Non. Non, celui-là, je te dis, il est vide. Celui-là, là celui-là, il est pas vide. Ah non, celui-là en bas, non, je croyais que tu disais... Ah, ben, je vais laisser un des trucs pour toi, parce que c'est des flèches. Ok, ça fait. Un petit fond. Pardon. Vas-y. Après, heureusement, je pense que heureusement que j'ai pris le... Ouh là, il y a du monde là-bas en face. Ouais. Heureusement que j'ai pris la capacité soin. Ah, lui, je l'ai bien entamé, lui. Derrière toi, là. Non. Ouais, bah ça me touche pas, donc ça va. Oui, mais moi, ils sont sur mon dos. Le problème, il est surtout là. Et qu'ils étaient sur mon dos. Alors, il y a deux portes. Il y a une porte là-bas, il y a une porte là. Les deux ont besoin de la clé. Ouais. Quoique non, ouais. Celle-là a pas besoin de la clé, je crois. On va faire celle avec la clé. Celle-là. Attends, d'où tu sors, toi? Ouais, vas-y, tire. Meurs, voilà. Merci, en plus, tu m'as fait faire un petit copain. Oula. T'as entendu le bruit? Par un sort? Non, je crois que c'est une zone de sauvegarde. Putain, mais il va finir quand, ce donjon? On avance, hein. Parce que là, il commence à être fatigué. Ils sont... Oh! Bah, il y a deux trucs... Les deux boutons sont allumés. On n'est pas revenu au début? Non. Pourquoi il y a deux boutons? Non, parce que je voyais de loin, je voyais deux boutons. Il y a, à mon avis, il y a deux runes à trouver. Ouais,
Ouais, il y a deux runes. Alors par contre, non, ou sinon une, et ça va ouvrir les deux. Les ah, deux peut-être, trucs. Oui. Alors par contre, si c'est une, ça doit être un gros mob. Si c'est un boss, tant mieux. Ça changera. Pour finir. Parce qu'on a toujours pas trouvé le truc de l'autre, on peut passer là. Oh, c'est l'arène, on peut pas sortir. Tu paries ? Alors tu je m'as fait parie. Tomber, merci. Oui, je confirme, c'est le boss. Ok, eh ben go. En espérant qu'il invoque pas de copains. Cyclope creux. Oh, on peut lui taper dans les genoux. Oh, je viens de me faire one shot. Moi aussi. Il m'a mis 500 dans les dents. Au secours. Ça va être chaud, je crois. Alors, ça sert à rien de prendre la bouffe. Hein, ah oui, ça, pour l'endurance, non ? Alors oui, autant juste prendre que l'eau, pas prendre la bouffe qui augmente la vie. Parce oui, que moi je l'ai pris, c'est pas grave. Par contre, moi je vais peut-être prendre une noisette, taper plus fort. Ouais. De toute façon, j'ai plus de trucs qui boostent mon intelligence, donc... Mais cette fois-ci, je sais qu'il faut pas que je reste près de lui. Faut que j'aille un peu loin, un peu plus loin. Parce que j'ai TP sur le côté, mais c'était pas le bon côté, en fait. Ouais, attends, faut que je recharge mon endurance. L'arc, tu lui fais des dégâts, de là ? Ah, oui. Ouh, je lui tape sur plusieurs points en même temps. Oh, putain ! Non, me dis pas qu'il invoque des trucs. Ok, il fait juste du... Ouais, je lui fais des dégâts un peu partout. Oh putain, je vais jamais avoir assez d'endurance, mais en plus, il y a des zones... What the fuck ? Ouais, monsieur, il fait des dégâts. Oh putain, puis il a du point de vie. Hein. Oh merde, il y a des... Non. Déjà, il a plus son épée. Non, c'est parce qu'en fait, il switch. Ouh merde, ah non, pas rester. Cours. Putain, non, le. Merde. Ah, j'ai encore envie. Merde, il y a des squelettes. Putain, il fait popper aussi des mômes, mais c'est n'importe. Ah, si t'arrives à me raid, je suis pas sûr. Aïe, non. Ah, putain, c'est nimp, il fait... ça pique... Ah, ouais, non, mais les 500 de dégâts, c'est n'importe quoi. Faudrait que je prenne peut-être... ah non, la fraise, c'est pas bon. Je vais prendre la B pour régène plus de... Ouais. Plus de PV. Je vais prendre ça. Le truc, c'est que j'ai plus rien pour booster ma magie. Parce que là, je lui faisais ultra mal, hein. Il mettait des 300 dans la mouille, si, quoi, si, mais... Si, ta magie, tu as utilisé tes pare-chaux. Mais oui, non, mais j'avais déjà utilisé les pare-chaux. J'ai pare-chaux plus... Plus... Ah, plus champi, mais j'ai plus de champi. Alors, attends, moi, je vais manger... Et je vais quand même prendre la bouffe, parce que ça m'a permis de survivre à l'autre attaque. Plus facilement. Attends, j'ai pas régène mon endurance. J'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'esquiver à mort. Et je me suis fait tuer par des squelettes de merde. Qui ont pop. Je les ai vus. Et hop, j'ai pris la régénération de vie. Allez. Oh, je lui ai mis un 146 dans le dos. Ah, par contre... Oh, y a déjà des squelettes sur le côté, putain. Mais il a de ses attaques. Oh merde. Non, ça propulse dans les airs, mais ça fait pas de dégâts. Ok. Si tu restes dans ses jambes, il te fait pas mal. Si, parce qu'après il va lever un peu. Oui, non, mais j'ai vu. Dès qu'il a levé le pied, j'ai esquivé. Ah, il crache aussi. Ok. Le problème, il était là. Attends, j'ai le dos là.
Allez, on va la voir. Attends, une attaque, deux attaques. Putain, je suis tendu. J'ai le truc à place de merde. Aïe! Oh merde! Putain, j'ai quand même pris un dégât derrière. Bon bah là, c'est plus que toi pour le finir. Et il me focus, hein, parce que je lui fais beaucoup de dégâts. Ouais, là, le pop des squelettes, oui, c'était... je pense que c'est en plus... Ah non, oula. Non, s'il fait son truc, son aura au sol, t'essaies de me raise. Non, il fait pas son aura, attention. Là, tu vas dans ses jambes, quand il fait ça, quand tu vois qu'il sort son épée, tu vas dans ses jambes, t'es mort. Ouais, j'ai pas pu esquiver dans ses jambes. En fait, ouais, quand il fait son épée comme ça, tu vas dans ses jambes et il te touche pas, en fait. Ah, il manquait pas grand-chose, là, pour l'avoir. Ouais. Alors, il y a un truc que je vais essayer de faire, c'est de lui lâcher... attends, aura de folie... mon dernier steak. Après, j'ai des gigots qu'on pourrait faire cuire si on peut faire un peu de camp, mais... J'ai pas de bois pour faire le feu. Oui, pareil. Bon, ben, dernière tentative. Enfin, pas dernière, mais... On va la voir, on a vu ses patterns, donc c'est bon. Et on a dit, jamais 203. Mais attends que mon... Ça régène, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Non. Ok, c'est bon, je suis à fond. Je prends ça. Bon, je vais lui balancer une petite boule de feu dans la mouille. Je lui balance des crânes. Qu'à faire, hein. On en a plein, on va se faire une armée. Ah, on peut pas en avoir plus de 4. Hein. Ah, cette fois-ci, c'est toi qui veux. Ouais. Ah, j'ai plus de magie. Merde. Aïe, aïe, squelette. Aïe, aïe. Ah. Alors tes crânes sont toujours là. C'est marrant. J'ai plus assez de magie. Bah attends, je vais faire un truc, je vais réapparaître vite et je vais essayer de revenir. Je vais essayer de tenir jusque là. J'ai pris le retour de la lame, je l'ai vu, mais... Ah, Itaouais, ouais, ouais. Ah, fais chier. Je venais d'arriver au crochet. Bon, bah, je t'attends. Non, c'est par là. J'allais partir du mauvais côté. Bon, ça va être chaud, parce que là... j'ai plus de vie. De trucs de vie. Et il fait des dégâts de psychopathe. Bon, ça dure une demi-heure. J'ai quoi que sur moi, au cas où les frais, ça ne sert à rien. Ça, c'est quoi? Endurance plus 20 pendant 30 minutes, tiens. Ah oui, tiens, endurance plus 20. Glou, glou, glou. C'est le truc qui manque, l'endurance pour esquiver. Les boules de feu, ouais, il m'en reste encore. Oui, mais non, en fait, il fait pas le yo-yo entre nous deux, parce que au bout d'un moment, je lui fais trop de dégâts, et c'est moi qui prends pour cible. Non, il est reparti sur toi, fais gaffe. Ouais, j'ai vu. Il fait la deuxième attaque. Hop. Ah, je l'ai trigger. Vas-y, bourre. Ouais, mais faut pas que je le loupe, c'est le problème. Et s'il bouge, j'ai un temps de... Bon, qu'il arrive, quoi.
Ah non, ah ah, c'est bon. Hop. Non. Hop. Non, t'attaques pas. Allez, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir de l'endurance. Allez, bourre-le, 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 bourre, bourre, bourre et meurs. T'es stun. Alors, qui a qui moi, il y a du cuivre. Bah, je viens de récupérer le tien. Pas grave. Oh, ramasser. C'est pas grave, de toute façon, on va foutre dans le... Tête de cyclope creux, hache de... Ça nous a fait, là. Hache de la faille du voile. Ouais, et là, maintenant, ça a ouvert le passage. Mais après, on va où? Et ça, on peut casser? Non. Pas un endroit qui a pop. Nocé. Parce qu'on n'a pas eu le truc de l'autre là. Si, en bas, regarde, le coffre il est en dessous. Le coffre. Ah oui, bah en fait il faut descendre. Il faut descendre et passer par l'autre truc. Ah bah oui. Et comme ça, on aura fini. Enfin, un arc. On chie. On veut pas des arcs. Et là, il y a le truc de le TP. Mais oui, mais est-ce qu'on a eu le... Oui, oui, oui. On a le crâne. Ok. De tête de cyclope. Oh putain, on aura mis un moment sur celui-là. On a mis 2 heures, hein, sur celui-là. Et oh. Le soleil se lève. Oui. Il a dû se lever plusieurs fois, je crois, à mon avis. Et oh, et on te bolosse à coups de... pour la peine. Oh, des squelettes encore. Tiens. Prends ton petit coup. Par là pour partir? Oui. Bah oui. Ah, t'es... Ok, bien. Hop, 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 hop. Mais j'ai l'impression que ça respawn entre temps, en fait. Alors le temps qu'on fasse toute la zone, ça respawn en haut. Ou sinon, c'est qu'on est suffisamment loin pour faire respawn. Ah, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas sortir, moi. J'ai pas la clé. Donc je peux pas sortir. Allez. Mango à la base, et de 2 donjons, et de 2. Allez. Et t'as plus qu'à te crafter la clé comme ça au moins. Ouais, au moins il y aura plus de problème, ouais. Après, peut-être qu'il va nous donner, on va aller voir le gars, et puis on va voir ce qu'il va nous donner. Il avait besoin de la tête de cyclope creux. Mais je crois que... Arc, l'air frais rempli mes ponts fatigués, je vous salue. Il n'avait pas besoin pour... Oh, regarde! Les doses des plateaux nomades, il faut des eaux géants. Il y a une nouvelle clé maintenant. Ah, soupe d'ectoplasme. Bon bah... Et presse à ectoplasme, il faut la tête du cyclope creux. On l'a eu, la tête? Oui. Ah, il manque une bûche alors. Et on peut faire la presse. De quoi, la presse à ecto? Ouais. Ah ouais. Et il y aura des nouveaux éclairages. Oh, excellent. En version crypte. C'est génial. Bah attends, je vais mettre... Bah va taper pour avoir du bois et... Juste à côté, il y en a plein. Oui, mais il manque de la truc d'ectoplasme. Non, non, on a vu. Moi j'en ai plein sur moi. On a plein sur toi? Moi il me manquait juste la tête et du bois. Donc... Le bois, ça va être vite réglé. Elle est là. Et il faudrait juste que tu me donnes la tête, c'est bon? Ouais. Moi j'ai tout le reste. Je me rapproche de toi. Je te file le bois. Je vais te filer aussi les eaux géants pour que tu puisses te crafter la deuxième clé. Ah oui, si tu veux. Parce que j'en ai 0. Ok. Ah oui, on en a eu quelques-uns, ok. Mais en fait, on en a eu 5. Et... Tiens, du bois. Non mais c'est bon, le bois j'en avais récupéré. Alors... Pardon. Elle est où? Là.
On va la mettre ici. Je sens que ça va être sa maison. Ouais. Hein. Je la mets là pour le moment, puis on verra après. De toute façon, on peut la ramasser. Donc. Permet de transformer donc fragments d'ectoplasme, du tissu déchiré. Ah ben j'ai bien fait, et du charbon. Donc. Oh, ça permet de faire de l'ectoplasme. Donc là, par exemple. Ah, c'est toi qui les as, mais. Pour le. Non, non, mais vas-y, tant je mets, il faut en mettre 10. En fait, je vais faire ça. Plus simple. Voilà, j'ai cliqué sur plus 1, il a mis tous les ingrédients pour en faire 1. Comme ça, on en aura 10 qui vont se faire dans 5 minutes. Mais dans 5 minutes, on sera plus là. Parce que le live va s'arrêter là. Merci à ceux qui sont passés, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Avec le dash.